Depuis tout petit, je fais que ça me battre. J'ai jamais eu le choix. On a toujours le choix dans la vie. C'est toi qui remporteras la victoire. Je te jurerai. Fais-le. C'est ton tour de rôle qui va voir. J'ai gagné. Je vais pas dire pas l'allier. Mon ring, c'est la rue. C'est pas mal. C'est pas fini tant qu'il n'y a plus la cloche. On y est! Oh, quelle intro! Là, direct, on est dans le jeu. Attends, on est bien équipé ce soir. On a la fine fleur du boxeur avec nous. Vous l'avez demandé, la spéciale Rocky. Elle est là! Je le disais pendant qu'on regardait le chat avant de commencer l'émission. Les fidèles, vous êtes là. On vous embrasse. Merci pour votre fidélité. Salut Ghostfunk, salut Bob Merlin, salut Moustache, salut Emilien. Tu vois, il est là, Alain. Ben, ça me permet. Excuse-moi, Dominique, je vais te faire. Désolé pour la galanterie. Il le voulait, Emilien, voilà. Alain, bienvenue dans Stream VF. Ah, merci, c'est gentil. Bon, alors attention, il est chaud patate. Hein. Il m'a dit, là, il va pas rigoler avec nous, là. Attention à Denis Creed. Ouais. Il faut faire très attention à toi. Ouais. En tout cas, il est accompagné de sa femme à la vie comme à la scène, Dominique Dumont. Merci d'être avec nous, ça va être bien cool encore. Si. On va passer un très bon moment, 2 heures en direct pour revenir sur la carrière de chacun, évidemment, sur beaucoup de Stallone, hein, tu t'en douteras, mon cher Jean-Baptiste Annemont. Comment vas-tu, mon ami du théâtre ? Écoute, mon ami du théâtre, ami de belles lettres, ça va bien. Et toi-même ? Ah, ça va très bien. Alors, il faut que je vous dise la blague. Merci Noctis, c'est bien vu, bravo, merci pour tes subs. Parce qu'en fait, quand on se voit sur les plateaux avec Jean-Baptiste, on parle fort et on parle de théâtre. Évidemment. Parce que voilà, c'est vrai qu'on aime ça. Mais tout à fait. On aime le théâtre. On en fait des caisses aussi. On a fait des caisses. Bon, bienvenue en tout cas, c'est cool. Ça me fait plaisir. Vous étiez tous demandés, vraiment, sur des parcours tous autant variés, mais sur des séries cultes, sur des films cultes. On a beaucoup, beaucoup à discuter. Je vais commencer par vous poser une question. Et c'est vrai que j'ai vu une interview de toi, tu disais que. Pour le conservatoire, toi, tu viens de là, Alain. Tu penses que c'est toujours la meilleure intro pour le métier ou les cours privés, ça peut être tout aussi bien ? J'en ai aucune idée. Intro pour le métier, je ne sais pas s'il y en a. Mais avant d'entrer au conservatoire, j'ai d'abord été au cours Simon. Ah, c'était le contraire, d'accord. Okay. Ah ben, généralement, on prépare à l'époque. Oui, oui. Je sais pas comment ça se passe aujourd'hui. On était 20 par an à être pris, je crois. Donc, il y avait 3 tours où tu passais des scènes, etc. Puis le jury, composé essentiellement des profs en exercice à l'époque au conservatoire, vote pour toi ou pas. Enfin, voilà, ça se passe comme ça. Ouais. Donc, avant, j'étais au cours Simon et ensuite, j'ai d'abord été dans un petit cours. Enfin, un petit, d'ailleurs, c'est pas petit. C'était un monsieur qui s'appelle Pierre Delator. C'était à Saint-Maur-des-Fossés. Ah. Un conservatoire municipal. C'était très, très bien. C'était un bon prof, et c'était vraiment très chouette. Ensuite, je suis allé au cours Simon, et après, surtout chez Tania Balachova. Et ensuite, quand j'ai dit à Tania que je voulais me présenter au conservatoire, elle m'a dit « retournez chez Simon ». Je lui ai dit « non, je ne vais pas faire ». Elle m'a dit « retournez chez Simon », c'est ce que j'ai fait. D'accord. Parce que Simon était prof au conservatoire, ouais. Qu'il avait… D'ailleurs, c'était marrant, il m'avait dit « tu vas passer Néron, t'apprends la première tirade de la scène avec Junie ». Je dis, mais la deuxième, non, je veux pas la peine. Je sonnerai. C'est vrai. Je ne savais que la première. Pour le premier tour. Deuxième tour, j'ai appris la deuxième. Puis au troisième tour, ils m'ont imposé une scène qui était André Delsarte, je crois, et j'ai passé Marc-Antoine de Jules César. Mais sinon, je ne savais que la première tirade au premier tour, la deuxième au deuxième, je sonnerai. Bon, voilà. Et puis après, c'était marrant comme tout. Il était doyen des profs. Alors, en sortant, quand j'ai vu que j'étais reçu, je le croise, je lui dis « Mais je suis chez vous, patron, dans sa classe ?» Ah, il me dit « Non, hélas. »
Et moi, je pissais de rire par terre parce qu'il était le premier à choisir. Donc, s'il m'avait voulu... Ouais. Ah là 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 là. Il m'a dit, ben non, t'es pas avec moi, ça me fait de la peine. Et alors qu'en fait, il a pas voulu... Ah, c'est énorme. Bah ouais, mais c'est comme ça. J'ai vu sur le chat qu'on a Thibaut et Cali du Saturday Night Blues, on en parlait juste avant de démarrer, qui sont dans le chat et qu'on salue. C'est super sympa. Et on en aura chose à dire, le concernant et te concernant aussi. C'est vrai. Bah, je lui ai dit que j'avais joué à Saint-Étienne, mais il y a quelques années. Donc, ouais, c'est très sympa. Il fait une émission qui est très sympa sur le blues. Tout à fait. Donc, on avait plein de choses à se raconter. Voilà. Et que je vais faire moi aussi. Et les questions aussi que je vous retourne, Dominique et Jean-Baptiste, comment vous avez commencé... Ah non, je ne t'ai même pas posé la question, mais comment, bah, tous les trois, vous avez commencé le doublage ? Comment ce qu'il veut, hein, c'est votre émission, vous faites ce que vous voulez. C'est très simple, j'ai tourné un feuilleton. Ouais. Enfin, j'ai tourné, j'étais pas tout seul. J'avais un rôle dans un feuilleton qui était assez important. Et la personne qui s'occupait de la post-synchronisation, parce qu'on se double pas soi-même, hein, dans ces cas-là, on se post-synchronise. On ne double que d'autres personnes que soi. M'a dit, voulez-vous faire du doublage ? J'ai dit, oui, je sais pas, oui, si, pourquoi pas. Et tout de suite, alors là, c'était assez... Parce que dans les extraits que tu as passés avec Stallone, il y avait aussi le papa d'Adonis, c'est-à-dire Apollo Creed. Et c'était mon copain Med Hondo. Ah ben on va en parler, hein. Notre maître national. Voilà. Et on a commencé en faisant une série ensemble qui s'appelait Les Bannis, je me souviens de ça. D'accord. Parce que tout de suite, c'était Élie Fabricante, un homme charmant, qui m'a propulsé sur... j'ai pas commencé par des panouilles, je veux dire. Il m'a donné le rôle d'une série et puis il m'a mis sur des... Sur des longs métrages aussi, tout de suite. D'ailleurs, c'est marrant, parce qu'il y en a un qui est passé l'autre jour à la télé, et je voulais le voir, parce que je n'avais jamais vu ce que ça donnait. C'était Zabriskie Point d'Antonioni. J'oubliais le jeune homme du film. Et je suis arrivé. J'ai vu les 10 dernières minutes, à peu près. J'ai vu qu'il était dans un avion, qu'il avait beaucoup de malheur. Et j'ai resté 10 minutes jusqu'à ce qu'il meure. Et il ne disait pas un mot. Donc, je ne sais toujours pas ce que ça donnait sur ce jeune homme. Voilà, mais sinon, Les Bannis, c'est vachement chouette. Avec Med. Med que j'ai retrouvé... En 48 heures. Dans 48 heures, parce que c'était lui, Eddie Murphy. C'était lui qui doublait Apollo Creed aussi. C'était un superbe comédien. Voilà. C'est rien de le dire. C'était irremplaçable. Et toi, Dominique Ben moi, c'est pareil. C'est en faisant de la post-synchronisation parce que j'avais tourné. Et quand j'ai fait la post-synchro, il y a quelqu'un qui m'a dit « Mais vous ne faites pas de doublage ?» Je dis « Non. » Comment ça ? Non, je savais... Bon, et j'avais des copains qui, à l'époque, en faisaient beaucoup. Et c'était vraiment un peu chasse gardée. Hein. Ah oui, bah... On n'entrait pas comme ça. Et toujours puis, un peu le cas, mais... Et donc, on m'a dit « Mais contactez telle et telle personne. » Et je ne l'ai pas fait. Et puis, quelques temps après, pour une publicité que j'avais tournée, à nouveau post-synchronisation, le même producteur qui me dit « Alors, vous avez... » Je dis « Bah non. » Et là, je dis « Bon, il faut que je le fasse. » Donc, j'ai appelé la première personne de la liste le lendemain. Et c'est comme ça que je... Ouais. Voilà. Bon. Ça a accroché, c'est comme ça. On s'est connus en pub, d'ailleurs. Voilà, c'est vrai ? On s'est connus en pub. J'étais la voix d'un produit. D'un film que j'avais j'étais tourné. J'étais mort de rire. C'était Vigor. Ah oui, il n'y a pas plus fort. Non, c'était pas... Ah, bon, j'essaie de placer le truc. Il y avait un bidon, vous faisiez boum, boum, boum. Et je crois que le slogan était « La puissance industrielle au service de vos sols ». Ah, tu t'en rappelles. La fuite est tombée sous le charme. Non, mais elle avait tourné une pub où elle était censée être, je ne sais pas, une ménagère. Une laitière. Une laitière, c'est ça. Qui nettoyait partout avec du Vigor, tu vois. Ouais. C'est ça. Et on s'est connus comme ça. On s'est connus comme ça, donc pour ça que j'ai dit que notre fille est une Vigorette. Voilà. Ah, d'accord. Voilà. Incroyable anecdote, mais j'y avais pas pensé à la... Et t'es en orange. Et je suis en orange, oui, voilà. C'est beau, c'est beau. Bon, et toi, mon cher ami ? Alors, moi c'est pareil. Moi, je prenais des cours de théâtre dans le 10e, je connaissais absolument rien de ce monde. J'ai commencé le théâtre à 22 ans. T'imagines, tu arrives dans un cours de théâtre. C'était un mardi, je crois. C'était un mardi, il pleuvait pas. Et quelle heure ? En revanche, je suis parti en scout avec. On est parti comme des tarés avec Lulu, mon parrain. Jean-Baptiste ? Jean-Baptiste. Ah oui, quand même, la classe ! Et on est parti tous les deux en scout, bam ! On est parti au 10e, je passe le truc, machin. Et donc, je suis reçu, machin.
je connaissais rien, 22 ans, t'arrives, il y a des gamins de 16, 17, 18 ans qui font du théâtre depuis qu'ils ont 14 ans, 10 ans, enfin bref. Et donc moi, je suis là. Donc j'en fais un petit peu. Et puis, il faut que je paye mon studio. À l'époque, c'était 1500 francs l'année, au dixième, 1500 francs l'année. Donc il fallait les payer. Et donc, il me dit, bah, viens avec moi, je vais t'emmener faire du doublage. Mmh. Ouais, j'ai dit, du doublage, qu'est-ce que c'est ? Il me dit, viens. Et donc, je vais avec lui. On va à Pyrénées, là. Ok. Bon, ça ne va pas parler aux autres, mais ouais. Voilà, on va là-bas. Donc, j'arrive, je regarde, je le regarde travailler. Puis à la fin, on me dit, tu veux faire un truc ? Et puis, t'arrives, et là... Le monde s'écroule. T'as 22 ans, t'as pas l'insouciance de quelqu'un de 10 ans, 14 ans. T'es là et tu fais... tu bégayes, tu trembles, t'as les mains moites. Et donc, je commence comme ça, je fais un petit essai. Il me dit, mais ça, viens. Et je reviens, je le suis deux, trois fois. Et petit à petit, on me fait faire des petites choses. Ouais, c'est ça. Des petites choses. Et puis, je pars à Strasbourg, parce que je rentre au TNS. Et donc, je pars à Strasbourg. Et quand je pars à Strasbourg, bah, tout s'arrête, parce que train corail, c'est très très loin. Et quand je reviens, je dis aux gens, bah, je suis revenu, je suis sur des projets de théâtre, mais si jamais vous avez besoin, et c'est comme ça que... C'est propre. Ouais. Et petit à petit, le zoo a fait son lit aujourd'hui. Il est un indéboulonnable. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas mis un magnéto et on est déjà en retard de 10 minutes sur le conducteur. Je suis déjà... Non, mais c'est ma faute. C'est passionnant, déjà. Je vous propose de démarrer tout de suite le stream VF. C'est parti. Et on n'a toujours pas de budget pour faire des virgules. Bien. Alors, c'est pas le studio de Belleville, c'était... Il m'a niqué ma virgule, hein. Non, mais j'allais faire une virgule bruitée à la bouche et tu vas nous dire qu'on était rue Eugène Lacroix. Non, mais c'est ridicule. Bon, en attendant, on va partir tout de suite parce que, évidemment, beaucoup a parlé sur Sylvester Stallone, sur Rocky. Alors, c'est bien, c'est que normalement, on fait toujours des magnétos de quoi, 50 secondes et puis Eric Scorsese, il nous a pondu 3 minutes 30. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à le passer dans l'écran derrière. On le regarde, on le commente. Ça va peut-être te rappeler des souvenirs et puis... Et puis on fait comme on veut, en fait, voilà. On s'amusera bien. Je suis sûr qu'on va bien rigoler. C'est très beau. Ah oui, c'est... Et vous avez lavé votre soin quand vous êtes couché, c'est ça ? Ah, c'est ça, ouais. C'est Béatrice Delph ? Oui. Je comprends pas qu'on puisse avoir envie de devenir boxeur. Ouais, non, c'est vrai qu'il faut être d'argent. Non, sérieux, il faut être d'argent pour leur faire boxeur, ça regarde bien. Sa raquette, on a toutes les chances de se retrouver Clodo. Je trouve pas Clodo, moi. Gagne ma vie. Non, tu la gâches, ta vie. Et ça continue, j'aurai jamais rien dans cette putain de vie. Y a un type qui se pointe, il me propose un combat, un vrai. Tu veux le faire, ce match? Ouais, je le ferai, alors, Matt. Parle comme si tout le monde devait quelque chose. Ta gueule. Écoute, personne doit rien à personne. C'est à toi de t'aider, toi. Un véritable ami, ça donne tout. Les amis, c'est pas fait pour donner. Ils donnent parce qu'ils veulent donner. Ta gueule, ça fait déjà longtemps que tu m'as largué. Largué? Pour moi, t'es une espèce de frangin, un peu demeuré. Voilà. Alors, je vais te dire un truc qu'il faut que tu comprennes bien. Oui, c'est important. Je t'ai pas largué. Mais t'es dans tous les films. C'est moi qui te choisissais. Tu les as revus, les films, ou tu regardes pas? En ce moment, parce que c'est diffusé. Non, pas revu, je les vois. Ah, tu les as vus pour la première fois? Non. Mais non. J'ai jamais vu. T'as jamais vu les Rocky? En français, non. Ah, c'est incroyable. Donc, du coup, toi aussi, tu fais partie de ceux qui peuvent pas s'écouter. C'est pas ça, c'est que... C'est pas un refus, c'est que... Le hasard a fait que... Il y avait pas eu de projo, quelque chose? Et si, mais en original. Ah, ouais. Ah, oui. Merci, Apollo. Dis donc, et n'oublie pas, hein. Ah, le maître. Après, tu me dois une petite faveur. Ah, le maître. Quelle faveur? Avant, tu avais des raisons de te battre, et je les comprenais. Mais là, tu vois, je comprends plus. Tu es vainqueur, supposons. Qu'est-ce que ça te rapporte, Apollo, reste où il est? Pourquoi te cramponner à cette idée alors que tout le monde décrocherait? Parce que je suis un boxeur. J'ai ça dans la peau, Adrien. La première fois que tu fais Stallone, tu passes des essais? On se refait pas. Hein? Ouais, la première fois que tu fais Stallone, oui, bien tu passes sûr, des essais?
Oui, oui, oui. Ouais. Et tu les as tous ratiboisés. Il n'y a pas de souci. Ils ont fait « Oh, c'est lui ». Tu te souviens qui était en face de qui Pas du tout, je n'ai aucune idée, non. Ouais. Il y avait Guy Pierrot. Bon, Guy, écoute, arrête. Mon Guy, j'adore ce qu'il faisait. Mais là, c'est terrible parce que... Personne ne frappe aussi fort que la vie. Ça fait rubrique nécrologique, tu vois. Ah, wow. Ah bah, entre Med et Serge Sauvion. Ouais. Pouvoir encaisser sans jamais, jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne. Ouais, mais ils ont tellement marqué les esprits, marqué... Bah, oui. C'est toute une génération. Moi, j'ai grandi avec ces films-là. C'est fort, quoi, ce qu'ils ont, fait. Tous les flics de Beverly Hills, de Med. Serge, incroyable, tout ce qu'il a pu faire aussi. C'est... Nous, notre génération, on regardait pas des films en VO. Jamais. C'était en VF à la maison. Je t'aimerais toujours. Bah, parce que ça passait à la télé, ouais. Bah oui, et puis t'as pas beaucoup de sous pour aller au ciné, donc tu regardes les films. Et puis la VF... Le ciné s'exploitait aussi en VF. Ouais, Ouais, c'est sûr. Mais et toi, tu l'as commencé dans Rebelle la première fois? Non. Non? C'était dans... Non, ça, Rebelle, c'est un truc qui a été fait après. Le premier, ça a été Rocky. C'est vrai, c'est que je l'ai regardé sur Wikipédia, ils mettent Rebelle, et ensuite, 5 ans après, Rocky. Internet dit de la merde. Parce qu'il a été tourné avant, certainement. Ah oui. Il a été tourné avant, mais à l'époque, Stallone n'était pas connu, donc le film... oui, Rebelle, c'est une histoire de terroriste, je crois. Ouais, je me souviens vaguement de ça, mais ça a été fait bien après. On a dû le faire, je ne sais pas s'il a été tourné 5 ans avant Rocky, mais on l'a enregistré au moins 5 ou 10 ans plus tard. Hein. Et je crois que ce qui t'impressionne le plus avec Sylvester Stallone, c'est que ce n'est pas qu'un acteur, il fait tout, c'est un homme à tout faire. Oui, c'est ça qui est impressionnant. Je l'ai appris en préparant l'émission, pour moi, il était juste acteur. Je ne savais pas qu'il avait fait tout ça dans les films. Ah ben non, c'est lui qui a tout écrit quand même. Ouais, moi je trouve ça assez émouvant de revoir ça, quoi. Je te dis, en plus, comme je les ai jamais vus... Incroyable. C'est... Non, mais... Non, il y a un truc que j'exige, c'est d'avoir une projection avant. Ah ouais? Bah bien sûr. Avant le doubler, d'accord. Oui, quand tu joues au théâtre, tu lis pas ton rôle, tu lis la pièce. Ouais. Si tu tournes, tu lis le scénario, pas que la scène où tu tournes. Donc moi, j'exige toujours de voir le film avant... Je sais qu'il y a beaucoup de comédiens qui n'en ont rien à foutre parce que c'est pas payé. Oui, mais ils ont... Donc, c'est mieux. Merde le monde, non, mais c'est pour... je veux le voir. Oui. Alors maintenant, on passe même des... Mais bien sûr. Même des... Ils m'ont même passé des trucs. Non, mais je veux savoir ce qui se passe. Ah, enfin, ouais. Et pourtant, t'as bien raison. Hein. Je suis pas bilingue, hélas, mais... Non, mais ça aide, ouais. Tu sais de où tu vas. Je veux savoir ce qui se passe. Le parcours du personnage, comment... Ah oui. Il y a Taylor qui nous dit sur le chat qu'elle a découvert la saga Rocky assez tard et il n'a jamais autant accroché à une saga classique. Je comprends, hein. Ah, mais c'est vrai que c'est très fort. Ça fait 44 ans que tu le doubles. J'en ai peur, mais j'ai commencé avec une dispense, bien évidemment. Hein? Ah, c'est D'ailleurs, je suis entré au conservatoire à 5 ans. Je suis un cas unique dans les annales. Bah, que je te dise, oui, ça fait un petit bout de temps, quoi. Et t'as des anecdotes sur tes débuts sur Stallone, des trucs qui t'ont marqué sur le... Parce qu'on me demande à chaque fois, tu fais des interviews, tu as des anecdotes, mais des fois, ça arrive. Sur le premier, je me souviens que... Ouais, c'est le dialoguiste, c'était Serge Duterre, que je ne connaissais pas. On s'est rencontrés un jour dans un autre studio. Il est venu, il m'a dit merci. Et je trouvais ça sympa, parce qu'il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas traduites, quoi. Entre autres, Stallone s'était donné un tic dans Rocky. Il en niflait tout le temps. Et tu y échappes pas, je veux dire. Ouais. Si tu le fais pas, il manque quelque chose. Et ça, c'était pas détecté. Ça, et puis beaucoup d'autres choses. Il y a des moments où c'est à la limite de la compréhension. Tu regardes le script, parce qu'on a le script original quand même, quand on le demande. Il y a marqué « undistinct ». Ah oui. C'est-à-dire que c'était pas compréhensible en anglais. Je vois pas pourquoi on voudrait à tout prix que des choses incompréhensibles dans l'original, et qu'ils sont volontairement... Ça, c'est pas fait par hasard, quoi. Ouais, bien sûr. C'est pas parce que le mec a savonné, non, c'est quoi. Il marmonne et voilà, sinon on retourne la prise. Ou on le double ensuite, enfin on le post-synchronise. Donc, et ça crée une ferme de couleur chez le personnage et c'est comme ça, quoi. Et on n'y échappe pas, je veux dire. Mais c'est très étrange quand on passe de l'anglais au français. Ouais. Je me souviens de.
le premier film, dans le premier film que j'ai doublé après, ça a été Fist. Et là, j'ai refait des essais. Fist, c'est l'histoire d'un syndicaliste, une histoire un peu vraie d'ailleurs. Et c'est sur les liens, en fait, entre le, certains types de syndicalistes américains et certaines mafias. Et le film était chouette, d'ailleurs. Là, on a refait des essais. Puis il y a un autre film qui est un des premiers qu'il ait réalisé lui-même. Et vous vous souvenez peut-être que La Chevauchée Fantastique, ouais, vous connaissez, ouais. Vous connaissez le titre original? Non. Ouais, Chevauchée Fantastique. Ça s'appelle Stagecoach. Ah, la Diligence. Rien à voir. Rien à voir. Dans le même genre, toujours de John Ford, La Poursuite Infernale avec Fonda. Ouais. Vous connaissez? Oui. Ouais, le titre anglais, c'est quoi? Je sais pas. My Darling Clementine. Le quiz, c'est après la réunion. Oui. C'est la chanson. Oh, ouais. My Darling. Voilà. Ah, d'accord. Et c'est devenu La Poursuite Infernale. Alors, ils ont fait encore plus fort avec un film de Stallone. C'était un très, très joli film. Qui s'appelait en anglais Paradise Alley, l'allée du paradis. Ouais. Et l'allée du paradis, en traversant l'Atlantique, est devenue la taverne de l'enfer. Hein? Donc, j'en ai déduit que l'enfer fonctionnait mieux de ce côté-ci de l'Atlantique que c'est le paradis ça. De l'autre côté. Ouais. Enfin, ouais, évidemment. C'est quand même étrange. Ah, c'est ouais. Pas étonnant. Et toi, tu l'as regardé beaucoup, ces films de Stallone, ah, quand t'étais oui. Petit. Hein. Oh là là, Rocky, mais quand Rocky, le 1, hein, ça a été une... Parce qu'en plus, ils sortaient à une certaine période et on les attendait. Quand tu avais vu le premier Rocky, c'est déjà la première fois que tu voyais un film comme ça, avec un boxeur, que ça racontait ouais. Sa vie, ses galères. Et tu t'attendais le deuxième. Ah ben oui. Et puis après, c'était après le 3 contre le russe. Drago. C'est le 4, ça. Drago. Mais c'est très cool. Le 3, c'est la revanche. C'est l'œil du tigre. L'œil du tigre. Ouais. Tigre. Et le 4, c'est Drago, ouais, c'est bon. Celui-là, je l'ai jamais vu. C'est fou. Et toi, tu les regardes, Dominique, vu qu'il ne les regarde pas, Alain Non. Non plus. Mais je les regarde là parce que c'est rediffusé en ce moment. C'est quoi, le mardi soir? Non, c'est mercredi. Ça mercredi. Tu les as pas regardés discrètement Et non, parce que j'ai pas de. On n'a pas les. Si, je crois qu'on me les a filés. Les... Je sais même pas si on a les DVD. Mais jusqu'au 4, c'était formidable. Mais là, c'est bien, c'est remasterisé parce que le son. Ah, bah oui. Ouais, parce qu'à un moment donné, c'était passé une fois, c'est fou. Ah oui, oui. Mais pour d'autres raisons. Ouais, enfin, il a fait un truc, je ne sais plus dans lequel. Là, tout à l'heure, il y avait un passage avec ce comédien merveilleux qui était Burgess Meredith, qui jouait Mickey. On n'imagine pas, en le voyant, qu'il a été pratiquement un jeune premier avant-guerre. Ah oui, c'est sûr. Tu vois et c'est un comédien gigantesque. Et Stallone l'a fait mourir. Ah ouais. Ah oui. Et ben oui, il meurt, je crois. Ah oui. Et je ne sais pas si c'est dans le 4 ou dans le 5, il le fait revivre. Et il avait envie. C'est comme les Feux de l'amour, ça revient régulièrement, c'est ça. Ouais, mais enfin, je sais pas si au Feux de l'amour... Il était en fait dans un monde parallèle. La taille de Burgess Meredith. Non, c'est sûr. Et quel est... Vas-y. Il lui a filé une séquence où il est là, comme ça, en plan américain. Il a 2-3 minutes. Et c'est... Ça, faudrait montrer ça dans tous les cours d'art dramatique. Ah ouais. Burgess Meredith, là, dans cette séquence, c'est exceptionnel. Ah, il dit, il le fait pas revivre, c'est un flashback, nous dit Bob Merlin. Oui, c'est un flashback, Oui, mais c'est une façon... Oui, je vois ce que tu veux dire. Je sais pas si Stallone avait ça en stock, ou s'il l'a fait tourner, parce que je pense que Burgess Meredith est mort peu de temps après. Ah. C'est un hommage. Et Kadé Tsuka nous demandait sur le chat, j'ai vu une photo, je crois que j'ai une moitié de réponse, mais donc tu l'as rencontré... ton acteur. Ouais. Bah oui, parce que... C'est beau. On n'est pas en France, donc ce sont des gens abordables, quoi. Ouais. Et comment ça se passe quand tu connais par cœur un acteur que tu doubles tout le temps? T'as un affect avec lui, tu ne connais pas. Comment ça se passe, cette relation? C'est très naturel? Je sais pas, mais en toute façon, on parle de tout sauf de doublage. Clairement. Mais il était... Non, moi, je lui parlais de l'écriture. C'était après le 6e, d'ailleurs. Qui s'appelle Rocky Balboa, je crois, enfin, qui est le dernier, avant les deux Creed. Oui. Et il m'a dit qu'il avait eu autant de mal à le monter que le premier. D'accord. Ouais. Parce qu'aux États-Unis, il n'y a rien d'acquis. Je ne sais pas, parce que ça a cartonné. Le premier, il a eu l'Oscar, quand même. Ouais. Ah bah, c'est magnifique. En plus, il a gagné une fortune. Le film a gagné une fortune, parce qu'il n'a rien coûté. Ouais.
crois qu'il a gagné 250 millions de dollars alors qu'il en a coûté 300 000. Ah oui, effectivement. Ça fait une bonne pull but. Mais ce n'est pas pour ça que tu en feras 50 derrière. C'est toujours remis en cause. Ouais. Enfin, mais finalement, c'est bien aussi parce qu'inversement, ça peut aussi donner une chance à des gens qui ne sont pas... Alors que chez nous... Et on aura tendance à t'enfermer éternellement dans ce que tu fais. Moi, combien de fois j'ai entendu dire on te reconnaît entre mille, tu vois. Et je prends toujours l'exemple du personnage de Pauli qu'on a vu tout à l'heure. Ouais. C'était Burt Young. Et c'était Serge Chauvion. Ouais. Serge, s'il y a des voix qui étaient connues, c'était bien la sienne. Et ben, moi, j'ai jamais entendu quelqu'un faire le rapprochement entre ce personnage de Pauli. Oui. Alors qu'il était la voix de Columbo, qui était une des voix les plus connues, Serge. Oui, c'est vrai. Ah non, bah Serge, t'es un comédien, c'est tout. Exactement. Voilà. Et on va revenir aussi, évidemment, sur plein de choses. Et je vois sur le chat, ça nous parle de Skyrock. Alors moi, je fais la voix antenne d'énergie. C'est pas Skyrock. Mais on va en parler de Sky, bien évidemment. Mais avant ça, parce que nous continuons notre périple, parce que beaucoup, beaucoup de choses à dire. Le film dans lequel vous avez œuvré tous les deux, Creed, on regarde l'extrait. Oui, mais on a fait un petit mix de tout, parce que bon, on est comme ça sur StreamVF, on prépare les beaux magnétos. Je veux que ce soit vous, mon coach. Je veux quelqu'un qui ait les épaules, qui assure. Je trouverai personne d'autre que vous, et vous me devez bien ça. À ta façon de parler, je sens que t'as fait des études. Alors je me dis que tu dois en avoir là-dedans. Mais pourquoi tu choisirais une vie de boxeur alors que t'es pas obligé? Et s'il était encore là, Apollo, je suis sûr qu'il te dirait ça aussi. Mais il est plus là. Depuis tout petit, je fais que ça me battre. J'ai jamais eu le choix. Non, on a toujours le choix dans la vie. J'y étais, moi, sur le ring. J'ai vu comment ça s'est passé. Il aurait fallu arrêter le combat. J'aurais dû jeter l'éponge. Il voulait peut-être mourir en boxeur. Peut-être que vous avez fait exactement ce qu'il voulait. Je crois qu'il aurait préféré pouvoir être là, à discuter avec toi. Bon, ça fait quoi de se dire quand même Mais non, mais c'est hallucinant. Parce que quand tu fais... Quand tu vas faire Creed en face de Rocky, c'est quand même... Enfin, c'est toute mon enfance, quand même. Tu vois, c'est toute mon adolescence. Et tout à coup... Je préfère adolescence qu'enfant. Oui, mais le problème, c'est que ça... Les mecs qui te rencontrent... Mais non, mais ça va de 80... Je depuis que je suis tout petit. Non, mais ça va de 80... Bah, le premier Rocky, oui. 76. Ah, ouais, mais nous, on le regarde en 80... Oui, je cherche pas. Ah, 7, enfin, tu vois, c'est oui. 10 ans, quoi. Jusqu'à maintenant. Donc, tu vois, donc ça traverse toute une période de notre vie. Et tu vois, et tu te retrouves à faire ça. Alors, moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant, parce que tu sentais que le... C'est pas que tu l'avais tourné... Mais tu sentais que tu savais à peu près ce qu'il aurait, comment il l'aurait joué. Tu vois, ça allait au-delà de ce qu'il disait. Si tu disais, il essaye de faire un truc là. Il essaye de faire. Tu disais ça souvent. Je crois qu'il essaye de faire un truc. Et on sentait vraiment que tu avais grandi, que tu avais traversé une vie avec lui, quoi. Oui. Enfin, en grande partie, oui. Mais je le renie pas, hein. Moi je reste un admirateur de Stallone, c'est clair. Voilà, c'est pas pourquoi tu le renierais? Parce qu'il y a pas mal de gens qui crachent dans la soupe et que je déteste ça. Ça existe. Sean Ruffier, tu ne penses pas si bien dire, on en parlera tout à l'heure, mais tu es pile dans ce qu'il est en train de préparer pour le futur, notre ami Alain. Mais on parlera de théâtre, de ses projets à la toute fin. Donc oui, Molière, ce sera au cœur de pas mal de choses. C'est incroyable. Le nécro comme ça, j'ai jamais vu ça. Incroyable. Magnifique. Dominique, oui. Finalement, est-ce que tu aurais kiffé faire Adrienne ou c'est, bon, Adrienne. Adrienne. Moi, je suis sur Adrienne. Voilà. Non, voilà. Pardon. Attends, j'ai compris pourquoi c'était Adrienne. Et pas... C'est Dominique qui me l'a fait remarquer l'autre jour. C'est qu'à un moment, au début, il l'appelle Adriana. Ah. Donc Adrienne, parce qu'Adrienne, pour nous, ça n'existe pas. Non. Oui. Mais Adriana, oui, on en connaît. Et Adrienne, c'est certainement le diminutif américain d'Adriana. D'accord. Donc ça voudrait dire aussi que peut-être qu'elle aussi est fille d'émigrés. Entre parenthèses. Ouais. Et donc, ça voudra dire que depuis le début, je dis Adrienne, et en fait, oui. C'est Adrienne. Voilà. Oh là, vas-y, non, je me casse. Adrienne, oui. Ah ouais, je suis désolé, pardon. Mais je crois que je peux. Quand j'ai l'occasion de réentendre le premier,
vérifie, j'ai bien dit Adriane. Voilà. Donc, c'est pas ma bouche qui a déconné, ce sont vos oreilles, les mecs. Hein. Bon, bah alors, du coup. Toutes les oreilles. Nico, passe l'extrait que j'ai fait dans le clin d'œil que j'ai fait à ton œuvre. J'ai dit Adrienne, je suis désolé. Passe là, le Spider-Man, je suis désolé. C'est honteux. C'est honteux. Bon, y a rien. Ici. Mais lance-toi Adrienne, c'est moi, Spider-Man. Bah ouais. Personne comprend mes références. Et en plus, mes références ne sont pas bonnes. Vas-y, je me cache, je vais me râler. Quelle honte. Et pour une fois, c'est Paris Scorsese qui est viré, c'est moi. Oui. Pardon. Il y a pas de mal. Non, c'est triste, t'es triste. T'es tant d'années dans le déni, tant d'années dans le mensonge, tant d'années dans le... C'est pas notre faute. Oui, je suis... C'est que tout le monde nous a dit ça. Ouais. C'est pas notre faute. C'est triste. Bon, du coup, bah oui. Plus que les oreilles, c'est comme les pieds, ça se nettoie. Oui, tout à fait. Bon, et tu n'as pas répondu à ma question, du coup. Oui. Adriane, tu aurais aimé la doubler parce que ça aurait été énorme le couple ensemble. Ah oui. Vous étiez pas ensemble. Non, mais non, si la vie, vous avez, ça aurait été énorme. Non, pas forcément. Non. On ça, c'est le choix. Travaillé ensemble. Non. Si, un dessin animé. Sur un dessin animé. Sérieux? Avec Patu. Avec Patu. Et avec surtout Philippe Dumas. Non, c'était. Ou enfin Patu, Philippe. Philippe Dumas, c'était extraordinaire. C'est quoi, sur la maison Mickey? L'île de Noé. Je sais pas, c'était australien, je crois. C'est très chouette. Je sais pas, mais il y avait une seule fois. Oui. Incroyable. Et t'en as fait des doublages, parce qu'à l'époque de la Sophie, on se voyait tout le temps. Vous avez une seule fois. C'est incroyable. Oui, c'est comme Greg Germain, qu'on a reçu la dernière fois, je lui ai dit, au début, on se voyait, je suis désolé, ça fait 30 ans que je fais du doublage. Ouais. On n'a jamais bossé sur un film ensemble. Jamais? Jamais. Mais moi, je sais pas si j'ai. Avec Greg, on se connaît, mais on avait participé à une émission de télé il n'y a pas si longtemps que ça. Ah ouais. Mais non, on n'avait pas. Je sais pas. Mais on se connaît, bon. On a fait beaucoup de pubs ensemble, ça va. Ah, oui, ça va. Oui, mais... Du pub en voix ou pub filmée? Non, on avait tourné. Et... Bon, j'ai... Enfin, ensemble, surtout Vigor, ouais. Non, mais des pubs audio aussi, on en a fait ensemble. Ah oui, mais aussi, ça, ouais. Un nombre. Ah, c'est clair. Mais en parlant de pub, je trouve qu'il n'a rien à voir. Toi, t'en as fait pas mal, mais t'as aussi fait aussi pas mal de films avec cet acteur, Michael B. Jordan. Ouais. Et sur Space Jam 2, sur les 4 fantastiques cultes, non, ouais. C'est pas vrai. Et par contre, le mieux, c'était Sans aucun remords. Moi, j'ai une petite anecdote là-dessus. Donc, c'est sur la genèse de Rainbow Six. Ouais. Et donc du coup le DA il me dit ouais bon du coup c'est pas du tout intéressant ce truc et surtout sur la fin c'est tiré par le cheveu et tu sais moi je vois le truc et je fais j'étais en train de parce que c'est des trucs de gamer bah oui. Et il se rendait pas compte que c'était culte ouais. Ce qui se passait et c'était tellement drôle il fait ah c'est bien en fait c'est oui de ouf incroyable c'est hyper attendu enfin que génial bah trop oui. Bien Netflix mec qui avait passé ouais. Ça tu le kiffes cet acteur toi? Ah j'aime bien. Oh ouais, j'aime bien. Il est mais c'est marrant parce que ce que tu lui dis il a le ça se voit que tu as fait des études et tout, il a toujours ce côté un peu pas du genre idéal, mais presque, qui est un peu abîmé, mais pas trop, qui a des choses un peu, qui se rebelle, qui recherche des choses, mais c'est jamais, c'est pas le bandit, quoi. Enfin, c'est pas Ludacris. Non, c'est pas Ludacris. Pas Ludacris. Pas Ludacris. Mais il y a quelqu'un que j'adore, moi, dans les Creed, c'est, je sais pas comment c'est, je me souviens pas qu'elle me pardonne, l'actrice américaine qui tourne, qui est la femme d'Adonis. Oui. C'est Philly qui la double. Oui, oui. Ouais. J'adore Philly. Ah oui, oui. Génial. Et la comédienne américaine, je la trouve, mais merveilleuse. Ah, oui, oui. Et dans le premier, elle chantait, en plus. Je crois que c'est elle qui chante. C'est elle qui chante, oui, oui. Ouais, bah, attends, c'est pas rien. Ah oui, oui, c'est elle qui chante. Ah non, mais elle est exceptionnelle. Ah oui, oui. Cette jeune comédienne, ouais. Elle est merveilleuse. Ouais. Enfin, j'ai été, alors... scotché. Ouais. Nico, si tu m'entends, est-ce que tu peux dézoomer le chat parce que finalement, on arrive à le lire, mais quand les réponses sont trop longues, je n'arrive pas à dire. Donc, Teen Critic a fait un post, non, une réponse, je n'ai pas réussi à le lire. Tu as une bandoulière. Je ne peux pas lire la fin de ta phrase. Du coup, Alain, sur le retour... Qui a écrit Tessa Thompson? C'est pas elle la jeune... Si, c'est ça. Non, mais le chat a toujours raison. Il faut le savoir. Raison. Ah, mais je dis pas. Ah, mais moi, je leur fais confiance. Ah, moi, je m'en veux de ne pas avoir retenu son nom, mais bon,
On la reverra. Ah bah, mais elle travaille beaucoup. Parfait. Elle tourne pas mal. C'est vrai. Ah oui, oui, oui. Bah, elle le mérite. Ah, bien sûr. C'est ça. Super comédienne. Ah oui, oui. Ce qu'elle fait passer, c'est exceptionnel. Ouais. Ouais. Et que tu as été content, après tant d'années, de retrouver le rôle de Rocky, où tu t'es dit, ah tiens, c'est peut-être le film de trop, ou dès le début, tu fais, ah, trop bien, je suis content d'y retourner. Dès le début, je dis rien, tant que je ne l'ai pas vu, donc... Non, il a sa raison d'être, enfin, je crois. Ouais, ah oui, clairement, ouais. Moi, j'adore. Hein. Ouais. Mais... Trop bien. Ouais, ouais, c'est... Et puis, il y a des trucs... quand il va sur la tombe de... Ouais. Moi, je trouve que le... Je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que le Creed, là, il est, dans une moindre mesure, mais il est... pour cette génération, ce qu'avait été Rocky 1 pour nous. Exactement. Hein? Il est vraiment... Qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'ai adoré. Il y a une énorme différence, c'est qu'en plus des personnages dans Rocky, il y a tout un univers autour. Ah ouais. L'univers du port, de Philadelphie, etc. Ouais. Enfin, je pense que c'est Philadelphie. Mmh. L'univers de ces petits mecs, de cette salle, etc., etc. Alors, on retrouve un peu ça dans Creed, mais c'est différent parce que lui, il a son restaurant, il est bon. Oui, je veux dire, c'est pas. Il n'y a pas le côté crasseux qu'il y avait dans le premier Rocky, quoi. Dont il sort, enfin, mais. Et puis, attends, Creed, le môme, l'Adonis en question, d'ailleurs, ils n'ont pas peur dans la famille. Le père s'appelle Apollon, le fils Adonis, quand même. Ouais, bah, ils ont fait le simple. Hein. Il manque Hermès, ou je sais pas. C'est ça. Ou le David de Michel-Ange. Mais on le voit quand on voit la maman. Et puis il y a un moment où on le voit chez eux. Chez les Creed, c'est un palais, tu vois, pratiquement. Ah, ouais. Hein, ouais. Donc ils sont. C'est pas « je suis né dans la rue », hein. Non. Oui, pas, non. Clairement pas. Non, vraiment pas. Donc, mais c'est quand même une grosse différence. Ouais. Hein, mais sinon, il y a un petit peu de ça dans le fait de vouloir l'entraîner un peu à la dure, comme Apollo le fait dans ça. Le 3, ce que, ouais. Bah, j'ai vu ça l'autre jour. Et c'est marrant. Non, mais il n'y a pas de redite, en fait, dans tout ça. Alors, je ne sais pas, parce que je ne suis pas certain qu'il ait participé ni à l'écriture, ni à la réalisation, là. J'en sais rien. Et je ne sais pas si ton comédien n'en a pas... S'ils ne sont pas en train d'en faire un troisième, d'ailleurs. Je ne sais pas. Et je ne sais plus qui m'avait parlé de ça, parce que moi, je ne me tiens absolument pas au courant de ces choses-là. Il y a Sharks qui a essayé une tentative sur le chat ratée. Gringo, on a vu. Tu vois, je vois tout sur le chat. Et Dominique Cinéclam nous dit, est-ce que tu trouves que de plus en plus en ce moment, ce côté métier de l'ombre sort un petit peu et qu'aujourd'hui avec Internet, les réseaux sociaux, des interviews, des émissions comme ça, ça sort un petit peu de ce côté où avant, c'était pas mis en avant et peut-être pas parfois caché. Est-ce que tu sens que ça change ? Je sais pas, ça change un petit peu parce qu'il y a des comédiens connus qui se sont mis à faire du doublage. Alors, on voyait les affiches avec la voix de un tel. Donc, c'est peut-être pour ça que tout d'un coup, le doublage, comme la pub, je veux dire, il y a quelques années, il y a beaucoup de comédiens dits connus qui refusaient de tourner des pubs. Et maintenant, moi, là, depuis 20 ans, tout le monde le fait. Donc, je ne sais pas si ça a apporté, peut-être, je ne sais pas. Moi, je ne me suis jamais posé la question. Je trouve que ça évolue dans le bon sens, quand même. Je ne sais pas ce que tu en penses. Non, parce qu'il y a aussi la façon dont c'est fait, la rapidité. Moi, je te parle vraiment de l'image, l'image du métier. Oui. Je ne sais pas. Je sais qu'en pub, dont parlait Dominique, qu'il y a des comédiens connus qui tournent dans des pubs, bon, ça peut arriver. Mais moi, j'ai fait pas mal de voix sur des films avec de grands réalisateurs. Ouais. Qu'il ne crie pas toujours sur les toits, enfin, sauf certains qui l'assument comme Étienne Châtillies. Moi, j'ai connu Étienne en faisant de la pub avec lui. Et c'est comme ça qu'il m'a demandé de faire la voix off du film annonce de La vie est un long fleuve tranquille, où j'étais mort de rire, quoi. Mais il avait fait un truc merveilleux. C'est-à-dire qu'il avait écrit un film annonce. C'était pas des extraits du film. Voilà. Et puis, il y avait aussi, avec Chacun cherche son chat. Clapiche. Cédric Clapiche, qui avait fait ça. Et c'était extraordinaire, parce qu'il y a une dame
qui nous a quittés il y a peu de temps, Madame René. Je ne sais pas si vous avez vu le film. C'est une petite merveille. Chacun cherche son chat. Et il avait, et Cédric avait tourné dans le coin de la Bastoche, dans le 10e arrondissement, avec des gens du quartier. Il y avait des comédiens, bien sûr, et des gens du quartier. Et ils ont fait une première. Je crois que c'est au début du boulevard Richard Lenoir. Ah, c'était génial. Je crois que ça s'appelle le Bastille Majestique. Tu vois, un truc. Le Cinoche de quartier. Et on y est allé. Et c'était merveilleux parce que c'est la première fois que j'ai vu du cinéma populaire. Ouais. C'est-à-dire les gens. Oh, t'as vu, c'est Lulu. Enfin, tout le temps, ils étaient au Guignol. Ouais. Et c'était merveilleux, quoi. Et j'ai rencontré Madame René parce que quand j'avais enregistré. Elle avait tourné donc des séquences spécialement pour le film Annonce. Et à un moment, il y avait marqué « Voix off ». Et elle va voir Cédric et lui dit « C'est qui, voix off ?» Mais non. Alors ça, je suis allé la voir, je lui dis « Bonjour, madame. » C'est moi, voix off. Il est sauf. C'est énorme. Mais off. Mais il sauf. Non, mais c'était drôle. Non, parce qu'en plus, il y avait quelqu'un qui racontait des trucs sur le film Annonce. Et les personnages du film intervenaient en lui disant « Mais qu'est-ce que tu viens nous emmerder ? T'es pas dans le film, toi. Ouais. Alors qu'est-ce que tu viens nous raconter ?» Donc, cette Madame René qui invectivait cette voix off. Et c'était... Enfin, pour moi, c'est un truc d'anthologie. Ça, je l'ai pas. Je sais pas si je pourrais le trouver un jour. Oh, peut-être qu'on le pourra. Ah ben, les deux films annoncent « Chacun cherche son chat » oui, oui. et « La vie est un long fleuve tranquille ». Ça, c'est facile. Ça, c'est facile. Et Sean Ruffy demande si on pourra parler de Jack and Daxter. Là, c'est compliqué. Là, ça va être compliqué de tenir le conducteur. Mais non, le Jack and Daxter, il y a plein de trucs dont on ne pourra pas parler. Mais des choses dont on peut parler et qu'on n'oublie pas, bien évidemment, parce qu'on continue notre périple sur Sylvester Stallone, c'est Rambo, que tu n'as pas vu non plus. Si. Ah, moi, si. Je me souviens que en projection... Si, je l'ai vu depuis, je crois. Ah bah passons-le alors. En projection, je l'ai vu, j'étais seul dans... et j'ai vraiment été scotché. Ah bah. Ah bah voilà. Toi aussi, je pourrais te tuer. Mon ville, tu fais la loi. Mais ici, c'est moi. Ne fais pas chier. Ne fais pas chier ou je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu. Laisse tomber. Laisse tomber. Avec le camouflage et tout. C'est terminé. Rien n'est terminé. Voilà. Tout continue à cause de vous. C'était pas ma guerre. C'est vous qui m'avez appelé, pas moi. La fameuse. Ça, c'est notre phrase. La fameuse. La fameuse phrase. Mais c'est gagné. Mais pourquoi c'est désynchronisé à ce point-là? C'est un peu de Ril Scorsese. Il va être viré, vous inquiétez pas. C'est une affaire de temps. Et toi, qu'est-ce qui te porte chance? Ça, j'ai jamais vu. C'est vrai? J'ai vu l'original, mais... Avec la musique derrière. Ouais, le mec avec son coude. Le synthé. Oh, Doc. Je vais revenir et j'aurai votre peau. Mission. Accompli. Accompli. Non, non, t'inquiète pas, il est encore là. Alors. Où est-ce que les missiles sont localisés? C'est désynchronisé. Ouais. C'est pas toi, c'est pas eux. Où ça? Dans ton cul. On a vérifié tout le camion, grand con, et il n'y a rien dedans. Et cette zone ne dépend pas de votre secteur, les gars de la ville. Je veux ta plaque, je veux ton arme, et j'aurai ta peau. Nom de Dieu, pour qui tu te prends, hein? Ça, ils se prennent pour Rambo. Non. Ah. Ah non, Rambo. Il y a un mot interdit. Là, là, t'as vraiment failli te virer, Ril Scorsese. Je te dis, il y a un mot là. Oh là 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 là. Merci Nico. Je lui dis, je vois le truc, je lui dis, non, passe pas ça. Et il le laisse. Voilà, voilà ce que c'est de travailler avec Ril Scorsese. Voilà. Non, mais c'est hein. On a flirté avec le ban Twitch là. Oh là 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 là. Ouh, bon, voilà, en tout cas, quel Rambo t'a marqué, mon cher Alain? Ah ben, le premier, parce que parce qu'en fait, les suites qu'il y a eues n'étaient pas du tout évidentes. C'est pas évident que Rambo soit, comme Reagan le disait, le gendarme de l'Amérique. Hein. C'est vrai. La logique, à la fin du premier, c'est qu'il soit en tôle. Ouais. Suivant l'état dans lequel on est...
c'est pas du tout... c'est pas évident du tout, quoi. Et... Mais il y a une chose, gendarme de l'Amérique ou pas, en tout cas, on en a fait aussi une espèce d'archétype d'une droite américaine. J'aimerais que la droite française soit aussi peu raciste que lui. Ouais, c'est pas faux. Parce que ça... Bah, t'as vu dans le 3, l'amitié avec Apollo. Ouais. Ça se continue avec le fils, après. Complètement. Il y a un truc que j'avais complètement oublié, c'est que quand il enterre Burgess Meredith, c'est un rite juif. Ce que je m'en souvenais pas du tout. En dehors de ça, il a quelques accointances avec des gens légèrement asiatiques, tu vois. Ah, bien sûr. Et bon, puis pour faire le tour... Il y a la guerre froide, quand même. Il y a eu aussi... dans le Rambo qui se passe avec le méchant russe qui était un comédien français. Oh là là, ouais. Comment il s'appelait déjà, je sais plus. Marc de Jonge. Ah, oui. Qui malheureusement n'est plus là et qui m'avait parlé du tournage quand on a fait le doublage ensemble et c'était censé se passer en Afghanistan. Il faut pas oublier quand même que les Américains ont financé Ben Laden. Hein ? L'idée, c'était de foutre dehors les soviets à l'époque. Donc, avec n'importe qui, bon... Dolph Lundgren. Donc... Ah non, Dolph Lundgren, non, c'est c'était le... C'était Drago, ça ? Non, c'est Drago. Oui, c'est ça. Je suis mais qui continue grave. Dans les Expendables, d'ailleurs. Ça. Oui, on va en parler plus tard, d'ailleurs. Enfin, je veux dire, il a des copains blacks, juifs, asiatiques, arabes, enfin, voilà. Ouais, bah oui. Alors, et en plus, il est rital. Et alors, dans le domaine un petit peu des films de guerre avec fan service, mais dans la veine de Rambo, on a du Expendables. On le passe. Oh là là. Et on le passe. Ouais. Des trucs très drôles. Il y a des trucs très drôles. Justement, on va le regarder ensemble. Surtout avec machin. Schwarzenegger. Non. l'autre. Le Willis. Cowboy. Chuck Norris. Ouais. Ah, oh là, c'est là, celle-là. C'est énorme. Oh là là. Énorme. Ça, c'est possible. Quand même quelque chose, ces films-là. Repose en pièces. On n'est pas parti, c'est moi qui vous le dis. Alors, comment ça va? Jusque-là, ça va bien. Patrick. Qu'est-ce que tu fais ici? Pareil qu'il y a une fête en ville? Oui, mais c'est pour moi. C'est qui le prochain? Rambo? C'est toi qui les as tous tués? Je bosse en solo. Voilà. Mais tu le savais. On me l'avait dit, mais j'y croyais pas. Il a toujours été un peu égoïste. Ah oui, c'est vrai. Merci. Quand je suis blessé, la blessure est plus William grand. Corinne. Oh là là. Parce que je suis plus petit. T'en penses quoi? C'est fan service, ça te plaît? T'as vécu ça comment? On s'est beaucoup marré, ouais. Ouais. Vous allez faire une attaque. À tout le monde là-dedans. De quoi je me mêle? Alors tu vas retourner là-bas. Oui. Tout seul. Oui. T'es un crétin. Merci d'être venu. Alors on arrête de se faire des gentillesses. Splinter Cell, Sam Fisher. En équipe. Et on arrivera à sortir de là vivant. C'est celui qu'on appelle le lanceur. Voilà le Dolph Lundgren, bien sûr. Ouais. Ouais. Mais je me suis sociabilisé. Et c'est quoi cette moustache là? C'est vrai. On est mieux que lorsque... On en parle un peu? On en parle de la stache mou. Ouais. Et moi, t'es pas encore abandonné. Galgo, c'est pas possible. C'est la troisième fois ce mois-ci. Franchement, c'était formidable, Banderas. Hein. Ah, Banderas, ça va être trop bien. Pour tout dire, il me fait pitié, son équipe l'a planté. Il me faut un job. Il était génial. Ah, il est très très bon, hein. Et je jure que ça, je le fais très bien. Sans qu'ils font ce qu'ils s'amusent, là. Mais ils sont un peu en roue libre, non? Clairement. Ils font ce qu'ils veulent. En roue libre, non, enfin. Statham est très bien aussi. Un petit conseil d'amis. Quoi? Tu devrais vraiment apprendre à te battre. J'ai entendu un autre truc. On dit que t'as été mordu par un cobra royal. Oui, c'est vrai. Mais après 5 jours d'agonie épouvantable, le cobra est mort. Le grand Bernard Tiffen. Bah, on est dans le foutage de gueule. Ouais, ah bah ouais. Enfin. Tu pries pour avoir du boulot? C'est possible. T'as été malade? T'as perdu du poids? C'est vrai? Bah, ce que j'ai perdu, c'est toi qui l'as pris, mon pote. Qu'est-ce que tu fais là? Tu pries pour avoir du boulot? C'est possible. T'as été malade? T'as perdu du poids? C'est vrai. Mais ce que j'ai perdu, c'est toi qui l'as pris, mon pote. Y a un problème? Trop bien. Ouais. Oh. Il passe son temps à venir. Le grand Sylvester. Le très grand Arnold.
Qu'est-ce que tu fais là? T'es pas encore à la retraite? Faut croire que non. Y a pas à dire. Les rides, ça rend beau. Tu avais réécrit beaucoup? Super ta vanne, tu devrais voilà. Tweeter. Il est dedans. Oui. Il est dedans. Ils ont changé les trucs. Je sais pas. On va lui demander. Ouais, est-ce que là, t'es... Il est très drôle. Tu dis plus I'll be back? Tellement bien. C'est marrant, mais attends. C'est, moi, je trouve ça savoureux, quoi. Enfin, clairement. Il est évident qu'ils se prennent pas au sérieux, Dieu merci. Enfin, et vous? Vous n'êtes pas pris au sérieux, la bande, là? Vous avez changé les trucs pas, et non, tout mais, non, pourquoi? Tu sais, moi, je pense qu'on en fait... Quand des gens te disent, machin, ils en font trop, je crois qu'on n'en fait jamais trop. Et ce qui est grave, ce sont ceux qui en font à côté. Ouais. À côté du personnage, à côté de la situation. Non, ben... L'image, ça suffit, je veux dire, faut essayer de... Bah, tu sais, on est là pour faire la blague, hein. Et vous avez changé le texte beaucoup, c'était toutes les vannes, tout était là. J'en ai pas le souvenir, non, pourquoi? Ah, c'était non. Bien écrit, quoi. Bah ouais, je pense, ouais. Et ça vous existe. Avez bossé seul? Ou là, voilà, c'était le making-of, mais t'as bossé avec Patrick, t'as bossé avec Daniel, ou vous étiez chacun? Bah, on était ensemble, là. Oui, mais là, c'était du mode... on voit la PLV derrière, donc il va y avoir des making-of, quoi. Ouais, je sais... Non, on devait être... Non, pas du tout, non, j'en sais rien, je m'en souviens pas. Je rappelle pas. Mais moi, en ce moment, c'est pénible, parce que on a des conditions qui font que dans certains cas, on est obligé d'enregistrer seul. Moi, c'est vraiment pas un choix. Sauf si le mec est seul à l'écran pendant 10 minutes. Ouais. Mais sinon, si ce sont des scènes... Il y a plusieurs personnages, je préfère toujours être avec les copines et les copains, quoi. Pareil. La comédie, ça se joue pas tout seul. Oui. Voilà, donc... Non, moi, je préférerais toujours ça. Si possible. Ah ouais, c'est vrai qu'en ce moment... C'est pas le... Il y a encore moins... Mais bon, en tout cas, c'est sûr que c'est un mode de fonctionnement bien à part les tracks, comme on dit. Mais qu'est-ce qu'on gagne comme temps aussi? Bon, après, c'est pas pareil. Après, il y a des trucs. Non, t'es content avec les potes, il y a des trucs ou des marrants. Si on faisait un duo, c'est vrai que c'est rigolo. Maintenant, quand c'est des trucs. Non, mais ça a commencé, ça, avec le Dolby aussi. Oui. Et la nécessité d'avoir des pistes séparées. Ouais. Oui, mais on était quand même ensemble. Ouais, beaucoup plus, enfin. Ah oui. J'espère que ça va revenir. C'est... Moi, j'ai demandé en tant que représentant syndical à une réunion qu'on impose à tout le monde le pass sanitaire. Parce qu'au théâtre, on l'impose aux spectateurs et pas aux comédiens. Ah ouais? Si. Non. Moi, je joue et on est obligé d'avoir le pass sanitaire. Bah, tant mieux, mais ce n'est pas une obligation. On ne peut pas jouer. Pour tourner, on me l'a demandé. Moi, j'ai déjà eu aussi un test. En tout cas, en doublage, c'est pas le cas. Mais... Ah non, doublage. Non, parce que sinon, ce sont les employeurs qui se retrouvent en porte-à-faux. Ils peuvent pas t'imposer une chose qu'ils n'ont pas le droit légalement de te demander. En tout cas, nous, dans le théâtre public, tout le personnel qui accueille du public doit avoir le pass sanitaire. Mais tant mieux. Il y a un mot qui est passé. Il faudrait que ce soit généralisé parce que. Le théâtre public, c'est le cas. On est sur France Info. Non, mais dans le théâtre public, nous, on a ça. Hein. Quand on est dans l'exercice dans l'exercice de notre profession, quel que soit le secteur d'activité, il est clair qu'on ne peut pas le faire avec un masque et encore moins avec un plexiglas. Tu vois. Donc. Tu le répètes avec. Qu'un autre comédien avec le masque, au bout d'un moment, c'est plus possible. Non, ça passe pas. Non. Avant le pass sanitaire, on se faisait tester toutes les semaines. Toutes les semaines. Je les répète, on avait deux tests par semaine. Sur des répètes du lundi au samedi. Oui, moi, je sais pas, j'en suis à la troisième couche, donc ça va. Ah, bah là, du coup, t'es tranquille. Et du coup, mon cher Jean-Baptiste, je te propose qu'on termine sur un dernier magnéto. On n'aura pas le temps d'en rediscuter après parce qu'on est vraiment très en retard. Ah, mince. C'est ma faute, je suis bavard. C'est très bien. On ne peut pas partir de cette bulle Silver Star Stallone. Et après, nous partions sur New York Police Judiciaire. Oh, mais un dernier best-of avec Silver Star Stallone. On n'aura pas le temps de beaucoup débriefer derrière, mais... Alain Dorval sur Sylvester, c'est aussi Sylvester, pardon. Je bafouille, mais en même temps, je suis pas payé pour bien parler, donc c'est pas grave. Fais péter le truc, Nico. Pas avant lundi? Oui, tu sais, tout le monde est dispersé. La discussion est difficile en ville. Ah ouais, c'est le cas de le dire, non? Je dois y aller. Viens pendant le week-end. Oh, si tu veux. Le fameux rebelle. Oula.
On fait pas d'omelette sans casser des œufs. Tu sais ce que ça veut dire. Et faut pas perdre son temps à chercher ce qui n'existe pas. Victor, tes muscles sont un don du ciel. Bon, ça ceci, tu me fais confiance. Hein, serre-moi la cuillère. Ne vaut pas la peine, je te dis, Matt, lâche-le. Fais pas le con, Matt. Fais pas le con. Comment il faut vous le dire? Je suis un héros du monde nouveau. T'es un cinglé. Et je veux te guérir. Il y est arrivé. Tu crois? Bien sûr. C'est vraiment pas sorcier. T'as raison. Je vais y arriver. Évidemment. Wilson, attends. Viens par là. C'est pas la peine. Il pourrait faire arrêter. Est-ce que tu t'en... Il faut faire exploser le toit du tunnel. Tu dois leur parler. Tu me dois bien ça, Frank. Je compte sur toi. Celui-là, là-bas, il pourrait nous poser un problème. C'est quoi? Il regarde dans tous les sens. Lui, c'est le poulet. Ah. Ouais, le poulet, c'est ça. Ça vous gêne pas si je mets un peu de musique? Non, mais on peut y aller, là? C'est tout ça, donc un grand bravo pour tout ce que t'as pu doubler, c'est fou. Si tu dois garder un film, tu te dis, ah, celui-là, pour moi, c'est mon préféré. C'est lequel? Fievel. The Fievel. Ah ouais? Ah ouais. Ah, c'est marrant, parce que je pensais que ça allait être un de mes préférés, ouais, vraiment. Et puis on chantait dedans, ouais. Et puis j'ai adoré ce film, enfin... Fievel, c'est Spielberg, hein, quand même. Bien sûr, ouais. Je crois qu'on l'a pas mis dans les dessins animés. On en parlera après. Et puis j'ai la chance, depuis un nombre d'années que je ne qualifierais pas, parce que... Non. Vous n'étiez pas né, bande de petits cons. je suis la voix de Patty Buller. Ah, mais Patty Buller, t'inquiète pas. Alors ça. Ah, bah ça. J'ai entendu dire une phrase dans une interview et je me suis dit, c'est fou. Je ne pensais pas que tu dirais ça. Je le continuerai, je viendrai en rampant. C'est le temps qu'on voudra de moi sur ce personnage. Tellement tu l'aimes, ce personnage-là. Bah, mais on va revenir dessus après, tellement. On a des extraits à voir. C'est fou ce et que puis, tu fais. Et puis, ça me rappelle. Mais là encore, je suis désolé, je suis pas nécrophile. Général Rinaldi ? Voilà. Bah oui. Ouais. On va en parler aussi, bien sûr. On peut pas parler de cette émission sans parler de Dingo, parce qu'aujourd'hui, c'est Emmanuel Curtil, mais ce sera toujours Gérard. Formidable. Bah, oui, bien sûr. Emmanuel, hein. On a des extraits des deux, mais c'est sûr que... Bon. En tout cas, voilà, nous avons terminé pour... merci de nous avoir suivis, salut. Non, c'était pour, du coup, notre bulle sur Sylvester Stallone. On continue maintenant à parler du reste, de tout ce que vous avez fait. Et on va partir du côté de chez toi, cher Dominique, avec Clang Clang. Oui. Ça te parle, ça. On regarde l'extrait? Si tu veux. Allez, vas-y, puis après, on en discute juste après. Mais tout va s'arranger quand j'aurai prouvé mon innocence. Ne te fatigue pas, Simon, c'est fini. Je t'en prie, Olivia, ne m'abandonne pas. Tu as violé cette femme. Mais non, pas du tout. Et je pensais que tu me croyais. J'ai essayé, mais l'ADN prouve le contraire. Alors si tu penses que je suis un violeur, pourquoi tu m'aides? Parce que je ne veux pas accepter que mon frère puisse faire ce genre de choses. T'es trop déformé, tu peux plus croire qu'il y a du bon dans tout individu. Oh. Et là, il t'est bien foutu. Ah ouais, t'es bien fait ça. Et on a préparé l'émission, mais il dit rien, je t'ai pas mis le pip, j'ai fait clang clang. En même temps, c'est vrai que c'est un truc qu'on retient le plus de la série. Mais en tout cas, toi, ça fait 456 épisodes. Mariska Hargitay, tu la doubles depuis 1999. C'est un des rôles qui te rend le plus fier, j'imagine. Oui, j'adore ce personnage. Ouais. Je ne m'attendais pas du tout à être choisie. C'est vrai? Non, pas du tout. Ça marche bien. Il y a eu, en fait, au départ, ils cherchaient le comédien et la comédienne. Mm-hmm. Jérôme Rebaud a été tout de suite choisi. Il s'excusait déjà quand il s'est fait. Non, j'adore Jérôme. Moi aussi. Et donc, il a été choisi immédiatement. Et pour Mariska Hargitay, il ne trouvait pas. Donc, ils ont fait une première série, une deuxième, troisième, quatrième. Et je suis arrivée, je crois, à la cinquième ou sixième série. Ouais. Et j'y suis allée. Et c'est vrai que j'ai toujours doublé que des blondes, pratiquement. Ouais. Et là, c'était une brune. Et je me suis dit, bon, et j'ai été choisie. Ça marche très bien. C'est pas évident d'être sur des trucs ultra sérieux comme ça quand tu coupes, tu as parlé non, de... Non, c'est dur parce que c'est des sujets qui sont des sujets sociétaux très, très durs. Ouais. Mais en même temps, c'est très raccord par rapport à ce qui se passe. Et là, je trouve que les Américains osent aborder des thèmes que nous, en France, on aborde, mais... très, très, très longtemps après. Mmh. Par exemple, le harcèlement, même au sein de l'armée, la pédophilie, au sein de l'Église. Enfin, et même là, on voit, on porte les masques. Enfin, ils portent les masques. Mais, mais c'est vrai que c'est très lourd. Hein. On ne sort pas de là. Clairement. Bon. Ah, c'est pas évident.
Et Koé vient de Raid. Ah, Koé ! Merci, Koé, qui nous a Raid, qui nous a amené ses spectateurs. Merci à vous de nous rejoindre. On est sur Stream VF avec Alain Dorval, la voix française de Sylvester Stallone. On vient parler avec. Oui, bah, mais, tu le connais, bah, tu fais lui un coucou, il te voit. Salut Koé. Merci. Bisous ma poule. Ça fait plaisir. Koé qu'on a reçu. On s'est connu à Skyrock. Mais oui. Et qui adore le doublage. Et il est venu ici en discuter, passionné, qui est vraiment un vrai passionné. On a passé un très très bon moment. Il aime ça, oui. Ouais, ouais, carrément. J'ai vu des images de toi en émission avec lui. Ah, c'était longtemps. Pas avec Maïk, d'ailleurs. Ouais. Ah oui. Bah, ma copine Maïk, oui. Ouais. Marie-Christine Dara. Exactement. Elle m'a dit, Maïk, c'était la dernière avec Greg, elle me dit, écoute, si Alain, tu me dis, je l'appelle et je vais lui dire de venir, t'inquiète pas, c'est une émission, c'est sympa. Mais c'était ma meilleure porte-parole. Elle m'a dit ça quand on était sortis de l'émission. Bah, du coup, merci encore à toi, Koé, merci pour le raid, c'est vraiment trop cool. Tu l'as redoublé, toi, sur d'autres choses, à part sur ce rôle ? Eh bien, une seule fois sur un long métrage, justement au studio de Saint-Ouen. Ouais. Elle a fait une toute petite apparition dans un long métrage dont j'ignore le nom, mm-hmm. et c'est tout. Je crois qu'elle n'a pas le temps. Elle n'a pas le temps, elle tourne comme ça. Puis, elle produit, ouais. Oui. Et parfois elle réalise même. Alors c'est un peu c'est clair. Et toi, Stallone, il n'a jamais fait de série ? Oh, pas, si, hein. Si. Si, si. Il y a eu une pseudo-télé-réalité, mais qui s'est assez mal terminée, je crois. C'est passé sur Canal il y a des années, c'était sur la boxe. Ah. Et c'était... Vous connaissez le système de pas mal de télé-réalités où les gens sont éliminés. Mais là, c'était des combats de boxe avec de vrais boxeurs. Oui, d'accord. Et je crois qu'il y en a un qui s'est flingué. Ah oui, ça fait pas bon. Pas où il y avait Sugar Ray dedans, non, non pas. Robinson non. Non. Non, il était... non, mais t'as raison, c'était quelqu'un qui lui ressemble un peu parce que ouais. C'était un mec... impossible de me souvenir de son nom. C'était un vrai, très grand... Boxeur. Boxeur. Ouais. Qui était en plus avec un visage magnifique, intact. Ouais. Et qui avait ce genre d'élégance de Sugar, qu'avait Sugar Ray Robinson. Ouais. Mais Sugar Ray Robinson, c'est mon enfance, c'est pas la tienne. Hein. Non, alors si tu peux arrêter, hein, ça suffit. Tu as venu faire des guests dans New York, ça c'est. Oui. 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 Ah ouais. Oui. Ouais, oui. Ça oui. Rappelle. Oui. Oui. Pourquoi ouais. C'est quoi ce rire là ? Des trucs à cacher ou quoi ? Mais tout. On peut pas te dire. Non, si mais... c'est caché, on peut pas te le dire. Ouais, ouais, bah d'accord. Bon. Tu comprends bien. On est tous passés sur la série. C'est vrai qu'il y a ça, il y a Esprit ouais. Criminel ouais, aussi. Non. C'est vrai ? À jamais. Pas... Ah oui ? Moi, ah non, ça jamais. Oh. Pourtant, t'as milité. Non. J'ai pas milité. J'ai demandé. T'as soumis l'idée. J'ai soumis l'idée. Ouais. Ça fait 21 ans que ça dure. Ben peut-être que je ne sais pas. Et pourquoi ? Je ne sais pas. Non, je sais pas. On va remédier à ça. Mal de non. Jeunes qui sont passés dans le. Ah, oui, mais tout le monde. Des personnages de jeunes, t'aurais pu faire. Mais non, non. Mais même. Je l'ai refusé, moi, j'ai pas de problème. Tu vas te retrouver là dans COP 3. Tu parles. Mais le dispatcher. C'est ça. Nathan, j'écoute. Allô, c'est Sylvester. Ça serait énorme. Non, mais il va falloir trouver ça. Ce serait énorme de t'entendre à un de ces quatre qui dit hey, on en avait parlé là, tout vient du lobby Stream BF. Ouais. Ce serait complètement fou. En tous les cas, très très belle série, tu la doubles vraiment très très bien. Moi, je la regarde souvent, cette série. Et ouais, franchement, je regarde beaucoup les séries en VF. Et le duo avec Jérôme, ça fonctionne très très bien. Super bien, oui. Et Jérôme est parti maintenant, oui. Parce qu'il fait une autre série qu'il vient de commencer. Voilà, donc il y a eu d'autres personnages. Ouais. Et j'ai Mini Cara qui dit une très bonne chose. C'est vrai que du coup, on n'en a pas parlé sur Rambo qui est venu dans Mortal Kombat 11. Comment on t'a appelé pour te dire... Alors, quand tu vois le finish him, ouais. Comment t'es ce doublage de jeux vidéo, tu t'en rappelles ou pas ? Non. Jeu de baston, Mortal Kombat, finish him. Bah, voilà. Non, je sais que ça m'est arrivé d'en faire. Encore, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, là. Mais et c'était la voix de Stallone, je crois. Il y en a un où c'était un personnage ça, hein. Inspiré de Stallone. Mais non, je j'en sais rien. Ouais. Ils t'ont pas expliqué ce qui se passait avec Sub-Zero, ces trucs-là et bah, tu sais, généralement, dans un jeu vidéo, vu le texte que tu as, tu comprends à peu près ce qui se passe. C'est ça. Ou ce qui peut se passer. Oui. Mais là, c'était très court, forcément. C'est... Non, non, mais bon, enfin... moi, ça m'amuse de le faire, mais... Ouais, ouais. Mais après... Non, comme je joue pas, donc je sais pas, quoi.
C'est là que tu me dis, oui, je fais une carrière en e-sport. J'ai gagné l'Evo en 2008. Ah ouais, il a défoncé Norman Genius, que tu connais bien. Tu as rencontré. Bah, tout à fait. Ouais. C'était un mardi, encore une fois. Oui, mardi. Et il pleuvait ce jour-là. Oui, tout à fait. Je ne trouvais pas d'endroit où s'abriter. Oh là là. C'était assez compliqué. Heureusement, j'avais mon pantalon de cahouet. Ah, mais tu sais qu'il a, vous avez, alors voilà pour la petite histoire, il est arrivé donc avec son destrier mécanique, et il est arrivé avec son pantalon de pluie, il a commencé à s'installer, et il allait faire l'émission avec son pantalon de cahouet. C'était exceptionnel. Oui, j'ai dit, mais ça fait pas de bruit. Non, ça fait pas de bruit. Non. C'est très joli à l'image. Bah, j'ai mon pantalon Haritech. Oui. Quel est le problème? Tout à fait. Mais ça, c'est pour plus tard. Du coup, parlons Haritech, parlons doublage, parlons Jean-Baptiste Nemon, bien sûr. Nous parlons bien évidemment d'un de tes rôles les plus connus, oui, que tu te partages, mais je trouve que c'est toi qui le double le mieux. Oh bah c'est gentil. C'est Man 2. Ah Man 2, attends. Non, mais j'ai eu des, il y avait des essais sur, oui, Man 2. Oui, oui. Ça n'était pas évident. Ouais, mais ils ont fait 4 tours. T'avais pas le suivi. C'est ça le problème. En tout cas, sur lequel tu as le suivi, c'est Jamie Foxx. On, ouais, regarde les images et puis on en parle juste après, comme d'habitude. T'es sûr que c'est lui? Ouais. Affirmatif? J'en sais rien. Tu ignores si tu es affirmatif? Je connais pas ce mot. Ça veut dire que tu es sûr? Oui. Oui, quoi? Je suis sûr que c'est Elise Brittle. Non mais putain, vous comptez jouer la playlist des groupies sur la route du taf? Faut pas fredonner pour se la donner. Faut juste vroom, vroom, foutre le pied à fond sur l'accélérateur et conduire la caisse, bordel. C'est la seule musique qu'il nous faut. Hé, l'ampoule! Ça va comme tu veux? C'est toi? Ouais, je sais que c'est moi. Et voilà. Qui, toi? Oh, ma scène préférée. Ça va te sourire. Je suis fait le prix. Non, c'est vrai. Je traversais la rue et une voiture allait me tomber dessus. Tu m'as plaqué au sol. Tu m'as sauvé. Et tu avais besoin de moi. Magnifique. Oh. Ce que tu as fait sur Electro, c'est génial. J'ai adoré. J'ai adoré te donner la réplique sur ce truc-là. Oh, c'était trop bien. Mon meilleur ennemi. Ah ouais. C'était, ouais, trop bien. Oh, on avait bien kiffé. Ouais. Et du coup, tu as cette voix électrique dans la. Tu t'appuies, tu changes le pitch. Et, bah, comme ça. Alors, bon, bah, c'est des piles, hein. Tout à fait. Il passe du 110 au 200. Oui. Tout à fait. J'ai mis les doigts dans la prise, on m'a dit, ah non, ouais, t'as pas besoin, hein, ça s'entend pas. Hein. Tu t'es pris une anguille. C'est comme les mecs. C'est ça. La première fois que tu fais du doublage et que tu viens au micro et qu'il t'applaudit. Ah non, bah non, bah il n'y a plus d'ingé. Non, ah oui, là, ah, il aime bien. Plusieurs ingés sont morts comme ou ça. Ou sinon, t'as un Patrick Poivet qui fait « Putain, c'est quoi ce texte de merde ?» Et là, t'as dû l'entendre gueuler un paquet de fois, toi, Patrick. Non, pas vraiment, tu sais. On passe pas une émission sans parler de Patrick. C'était le parrain de l'émission, on en parle tout le temps. Non, mais on se connaissait trop pour que... Je veux dire, on me la fait pas, quoi. Ouais, mais quel bonhomme, quel bonhomme c'était. Ah bah oui, ouais, mais... C'est ça. Je crois qu'un des... On a fait peu de choses ensemble, si, sur Expandable. Il y a un truc aussi où je doublais Nick Nolte, un film complètement déjanté, qui s'appelait Breakfast for a Champion, je crois. D'accord. Mais c'était vraiment un truc très, très chouette, où Nick Nolte finissait habillé en femme, enfin... Ah oui, oui. Un truc légèrement délirant, avec Bruce Willis, et je crois que c'était le frère de Bruce Willis qui avait réalisé... Mais c'était vraiment un film chouette, mais c'est pas le genre de truc qui fait des millions d'entrées. C'était pas le gros blockbuster, c'est sûr. Mais sinon, il y a un blockbuster qu'on avait fait ensemble, c'était... merde, le premier film qui a été fait en... Où les Toy Story? Toy Story? Non, pas Toy Story, non. Je tente. Non, mais non, mais avant, oh merde, le nom m'échappe. Mais le chat va l'avoir. Oui, quand on rentre, les personnages rentrent dans l'ordinateur et... et je doublais là-dedans. Tron. Tron, ouais. Le chat a toujours raison. Merci. Ouais. Voilà. Merci, Xigbar. C'est la seule fois. Ouais. C'est la seule fois où j'étais la voix de Jeff Bridges. Ah oui, c'est vrai, je me rappelle de rien de ce film. C'est un très très bon film, ce Tron. Ah ouais, chouette. J'avais adoré ce film. Ah ouais, ouais. Et du coup, mon cher Jean-Baptiste, quel film de Jamie Foxx tu as le préféré doublé? Alors, indépendamment de celui de faire un kiff d'être le méchant dans Spidey, c'est quoi? C'est Django? Quand même, c'est Django. Ah ouais? Ouais. Tout de suite. Ouais, non, mais Django, parce que. Parce que de ce que ça parle, du parcours qu'il fait dedans. Et puis, la première fois de le faire aussi, quoi. C'est. Non, c'est... Et Django, je trouve que c'est... Ouais, c'est... Django, ouais. Tu doubles souvent des méchants? Ça lui arrive. Ça m'arrive. mais c'est une bonne question. Je sais. Le ratio... C'est pour ça que je suis là. Le ratio méchant-gentil, est-ce que...
Il y a quand même plus de gentils que de méchants. Pourtant, tu es un vrai méchant dans la vie. Ah, mais je suis. Tout le monde le sait. Je suis une merde, une pourriture. Oui, ouais, c'est ce qui se dit. Hein. Bah, évidemment, évidemment. Je ne vais pas t'en parler. Enfin, voilà, maintenant c'est fait, tout le monde est tout. Bah, oui, 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 oui. Bah, je suis désolé. Je suis désolé. Je dois l'avouer. Je dois l'avouer. Bah, ouais, mais en tout cas, c'est vrai que sur Jamie Foxx, ça fonctionne très bien. Ah, bah, merci beaucoup. Ah, ouais. Ça fait plaisir. Bon, bah, très bien. Nous. Et attends, j'ai un truc à te poser comme question. C'est oui. On est, moi, je l'ai, par exemple, sur Joseph Gordon-Levitt. Oui. Je me le partage avec Alexis Victor. Jamie Foxx, tu te le partages. Oui. Comment ça, au début, tu es un peu gêné parce que tu dis, ah, je le fais, que d'autres l'ont fait. Oui. Maintenant, vous vous partagez vraiment. Oui. Comment ça se passe tu... Alors, moi, comment ça se passe? C'est qu'il y avait eu, il y a des essais. Tu fais les essais, tu les réussis. Et quand tu es pris d'office? Maintenant, il n'y a plus de... Alors, oui. C'est tranquille, maintenant, tu l'as fait suffisamment de fois, mais... Oui, mais pas tant, pas toujours, non. Mais c'est vrai que là où ça me fait plaisir, c'est quand tu... Parce qu'on ne se rend pas compte de ce que notre voix produit sur un... On se dit, je suis dedans, je ne suis pas dedans, je lui correspond, je ne lui correspond pas. Et c'est toujours les autres qui peuvent... On ne peut pas être et avoir été, donc c'est les autres qui nous disent... Donc, du coup, si toi... et en plus, c'est d'autant plus plaisant quand... Ouais. Par ses pairs, quand les gens te disent, parce qu'on connaît le métier, quoi. Donc ça me fait plaisir. Moi, on se rend pas compte, on ne peut pas se dire, ah oui, je lui correspond très bien. Je pense que je lui correspond. Si, il y en a qui le disent. Ah. Mais ça marche très très bien. Bien sûr, Fox. Ouais. Mais moi, je fais pas partie de cette école-là. Je connais même un comédien que j'ai connu au conservatoire, qui est un grand comédien. La preuve, il le dit. Ah oui. Tu vois? Ouais. Si, bien sûr que ça existe. Ouais. Oui, je sais que ça existe, mais moi, je peux pas le dire. Oui, donc moi non plus. C'est la classe. En tout cas, la classe, c'est aussi, et encore, on a commencé à effleurer le sujet, la bande à Dingo. Oh là 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 là. Avec les enfants Christophe Lemoine et Alexis Thomasson, ça devait être quelque chose, un bon bordel, ces plateaux. Mais nous allons voir l'extrait et en parler juste après, parce que moi, je veux tout savoir, j'étais fan de cette série à l'époque. Ah bah oui. C'est incroyable, la bande à Dingo. C'est un des trucs les plus délirants que j'ai... Les Américains osent dire des choses sur eux-mêmes que... Il y avait autant de trucs que ça, là-dedans ? Il y a un épisode où carrément tous les gens de la municipalité, le maire, ça va jusqu'aux pompiers, ils sont tous beurrés. Ah ouais ? Ah oui, non, mais tout ce qui représente un tant soit peu l'autorité publique est innommable. Enfin, c'est ahurissant. Et Patty Buller est un marchand de bagnoles. Ouais. Tu fais ça en France, je veux dire, t'as un syndicat de marchands de bagnoles. Ah ouais, ah bah oui, impossible. Bah, non, bah oui. Tu vois, il a une cravate sur laquelle sont imprimés des dollars. Des dollars, oui. Ah oui, mais c'est vrai. Et il a inventé une bagnole pour faire essayer, qu'il fait essayer à ses éventuels acheteurs. Oui. Et cette voiture a des roues carrées. Parce que comme ça, oui. Ça leur vide les poches. Tu vois, c'est bien sûr. C'est génial. J'adorais. C'est un particulier, j'adorais. J'adorais ça. Mais ça continue. Hein. Ben regardons l'extrait, et puis comme ça, ah, ça oui. Va rafraîchir la mémoire. Oui. Qu'est-ce que tu fais là couché sur moi? Que le ciel me tombe sur la tête! C'est quoi ça? Bonjour, Pat, tu veux que je te prête mon dentifrice? Oh, ça alors, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont trompés de kit! Oh, mais on peut peut-être le peindre en rose. 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 On peut sûrement le peindre en rose. On entend tellement que tu t'éclates. Ça transpire de partout. Gérard aussi, je veux dire... Ouais, ouais. Gérard, on s'est pas connus sur Fievel. Alors, si vous avez l'occasion de voir ce film... Il y a une séquence merveilleuse, c'est que les petites souris, ouais. Qui sont des souris un peu juives venant d'Ukraine, mm-hmm. qui s'appellent Mauskevitch, tu vois, oh. Et qui fuient l'Ukraine parce qu'en Ukraine, il y a des Cosaques qui, évidemment, sont des chats. Et les souris essaient d'aller en Amérique parce qu'elles chantent « En Amérique, il n'y a pas de chats, les rues sont pavées de fromage voilà. ». C'est le rêve américain. Et là, elles sont accueillies sur la Statue de la Liberté par un pigeon. Et je crois que dans l'original, j'aimerais le réécouter, j'aimerais le retrouver en original, je crois que le pigeon avait un petit accent français. Et Gérard a fait ça
Ouais. Oh. À la Maurice Chevalier, et c'était... Ah, c'est fou. Ouais. Il manque et beaucoup, Gérard. On s'est pas connus ce jour-là, on s'est croisés. Il sortait de l'Audi, j'y entrais. Voilà. Et c'est la première fois qu'on s'est vu, on s'est dit salut, bonjour. Et après, bon, on s'est pas quitté pendant les... La bande à Dingo, c'était, je sais plus combien il y a eu d'épisodes, quoi. Beaucoup. Pendant un an, on se quittait pas, quoi. Beaucoup. C'était la récré, c'était le rêve, enfin... Et avec Alexis et Christophe, du coup... Ouais, non, mais surtout tenir. Patricia, qui écrivait les textes, et qui nous dirigeait, je crois qu'il y a des jours où ça s'est terminé, pipi-culotte, pratiquement, quoi. Parce que... Non, mais si tu veux, le truc, c'est que moi, j'avais pas l'habitude de personnages comiques. Jamais j'avais fait ça. Et au tout début, j'ai dit à Gérard, écoute, moi, je sais pas si je vais pas y rester, quoi. Bon, ce qu'on appelle y rester dans le métier, vous le savez. Je dis ça pour les gens qui éventuellement nous regardent et qui ont eu le courage d'aller jusque-là. Y rester, oui. C'est-à-dire rire à un moment où c'est pas fatalement nécessaire et surtout, on peut choper des fous rires, quoi. Oui. Et, qui sont pas prévus dans le scénario. Et Gérard me dit, non, moi, ça va, je tiens. Donc, je n'ai eu qu'une idée, qu'il y reste. Et régulièrement, on était tous les deux à la barre. Je disais, ah, celle-là, je la referais bien. Et je voyais Gérard qui me regardait, du genre, qu'est-ce que tu veux nous sortir, ouais. Mon connard. Et voilà. Oui. J'aurais dit, non, on la refait, quoi. C'est pas, voilà, et... Ouais. Un jour, je leur ai proposé, on a fait un pique-nique, plutôt que d'aller bouffer au resto du coin, on est allé se faire un pique-nique dans le parc de Saint-Cloud. Ah, ok. Oui, carrément, ouais. Ah, c'est levé vraiment... Bah, c'était pas grave. Ouais. Si on finissait plus tard, on finissait plus tard. Il y avait des flèches, non Ouais, non, mais... Ouais. Et Gérard, c'était... Alors, ce qui est terrible, c'est que j'ai... Là, ça n'a rien à voir avec nos métiers. J'ai eu la chance de rencontrer Phil... Phil, qui était le guitariste des Charlots, et qui est devenu un super pote, et qui nous a quittés il y a un an aussi, donc décidément... Ouais, il y en a beaucoup, là. C'est j'ose pas appeler Louis Rego, parce qu'il va me dire « Attends, t'en as connu deux que t'as enterré. Ouais, et ça me... Phil, je crois que c'est le mec le plus gentil que j'ai jamais vu de ma vie, quoi. C'est un amour. Voilà, bon, il était venu à la maison, il avait trouvé que j'avais une 335 aux manches, tordu, donc il revenait me régler mon manche de 335. Voilà, je les ai pas connus en tant que Charlot, je les ai connus en tant que mec, et c'était vraiment des gars magnifiques. En tout cas, c'est vrai que nous, on voulait aussi te rendre un big up, comme on dit, pour Patibulaire, parce que moi, ça a bercé mon adolescence. Pas dire bêtises, oui. Voilà. Mais j'adorais regarder la bande à Dingo. Quelqu'un a passé un truc là, c'est vrai que j'y pensais pas. C'est une chose que j'ai faite il y a des années, je sais pas si vous avez connu ça. C'était une série, la première série qui s'est faite en images de synthèse, sur une antenne française. C'était sur France 3, ça s'appelait Les Quarks. Ah oui. Et ce sont des mecs qui étaient jeunes à l'époque, comme vous peut-être. Enfin, de moins en moins. Je sais pas, il y a 30 ans de ça. Et qui avait écrit le truc, qui l'avait réalisé, et c'était exceptionnel, quoi. Ça, je sais pas si ça ressortira un jour. Ça ressort toujours. Bah écoutez, si vous avez l'occasion, Les Quarks, moi j'étais qu'une pièce rapportée, une voix là-dessus, quoi. Ouais. Mais c'était merveilleux. Les Quarks, c'était des personnages qui, enfin, imaginaires, qui foutaient la merde. Je sais pas, sur un tableau de maître, ils bouffaient la peinture. Enfin, c'était, il y avait toujours. C'était les empêcheurs de tourner en rond, mais toujours de très haut niveau sur le plan scientifique. Enfin, c'est. Parce que les quarks, c'est quand même des trucs qui se promènent un peu loin de nous. Et non, mais je voulais en parler parce que quelqu'un m'a fait allusion et c'est une superbe série. C'est vrai. Française. Et à l'époque, on n'avait même pas de quoi. Ils n'avaient pas de quoi réaliser l'animation ici. Ça se faisait au Québec ou au Canada, je ne sais pas. Et ils m'avaient dit qu'ils avaient une vingtaine de machines qui tournaient pratiquement jour et nuit, quoi. Voilà. Ça pour produire
30 secondes. Une minute ou une minute 30 d'épisode. Aujourd'hui, c'est un peu plus facile, forcément. Bah, aujourd'hui, tu fais ça avec n'importe quel PC. C'est ça. Tu te fais 10 fois ça, mais, ouais. Mais on oublie l'époque. On appelait ça des stations de travail et c'était très lourd financièrement. Et puis, ça durait des heures, quoi, enfin, pour sortir un bout d'image. Et en parlant de ce qui coûtait très cher, mais qui en a rapporté énormément, c'est une série que tu as doublée, Dominique. Oui, Les Sopranos. Ah, oui. Alors, c'est marrant. T'as pas reconnu. On va écouter l'extrait. Pourtant, il n'y a que toi qui l'as doublé. Je ne pense pas qu'il y ait une VFQ. Écoutons-la, cet extrait. Écoutons-le. Tu me diras si c'est bien toi. Mais en tout cas, c'est ton rôle. Oui. C'est Edie Falco, celle qui l'interprète. Ouais. La femme soprano. On le regarde. En tout cas, c'est une putain de série. L'infirmière qui prenait soin de ta mère, celle que j'aimais bien. Avec qui je discutais au téléphone à propos de ta mère et son alopécie, de ses problèmes de transit, celle qui d'après toi travaillait pour une agence, avec qui j'ai bu de la vodka le soir où ta mère est morte. Tu l'as pas baisée, elle? Y a pas une once de vérité là-dedans. Pourquoi sa cousine inventerait un truc pareil? Parce qu'elle est jalouse. Salaud. Lâche-moi. Et oui, du lourd, encore une fois, la Soprano, New York Police Judiciaire. J'ai jamais vu. Non. J'ai jamais vu non plus. Pas Police Judiciaire. Non. C'est une unité spéciale. Unité spéciale. Oh. Je l'ai dit en plus tout à l'heure. Oh, ça voilà. Va. Je sais qu'elle fait tout doom, comme Netflix. Non, tout doom. Ah oui. Ouais, Soprano, en tout cas. Je sais plus combien. Il y a 86 épisodes. C'est la série qui a eu le plus grand succès financier à la télé. Alors, je sais pas si ça n'a pas été détrôné maintenant, vu que c'était du HBO par Game of Thrones et d'autres séries lourdes aussi. Mais gros succès, énorme succès. Ça devait être un kiff à faire, ça aussi. Ouais, c'était bien. C'était bien. Non, mais personne n'aurait pensé à me distribuer sur une femme comme ça. Et pourtant. Et je pense que c'est une blonde. Hein ah, et c'était blonde. Et c'est une blonde, mais c'est vrai. Hein. Et tu avais fait des essais dessus? Je sais pas, je me souviens pas. Ouais. Mais c'était assez étonnant parce que personne, au départ, on savait pas si ça allait marcher ou pas. Et tu l'as vu toi cette série? Ah oui. T'aimes bien? Apparemment, c'est une des plus belles fins de série qui existe. Ah c'est. Alors moi, j'ai pas tout vu. Oh non, mais vas-y, ensuite. Allez. Non, mais parce que tu sais, il y a des séries. Non, mais tu sais, il y a des séries que on a tellement entendu parler que t'as l'impression d'avoir vu et en fait tu l'as pas vu et donc tu commences à la regarder mais t'as pas encore fini. Non, ce que je voulais te dire, c'est que tu parlais du fait que quand vous commencez la première saison, même nous, on ne se dit pas qu'il va y avoir une deuxième saison. Et alors, comment ça se passe, la première saison de ça On ne savait pas du tout le succès que ça allait avoir, parce que c'était vraiment un truc très, très spécial. C'est vrai qu'on n'avait jamais vu ce genre de série. Et puis après, on nous a annoncé, effectivement, une seconde saison. Ouais. Et le personnage, quand tu le fais, là, quand tu la doubles, tu t'es dit... Oh, j'aimerais bien qu'il y ait une deuxième saison ou pas? Oui, parce que on s'y attache à cette famille complètement. Ah non, mais non, c'était assez étonnant. Ouais. Mais chez Calin, on avait vu un épisode une fois à la maison. T'avais regardé, t'avais pas vraiment accroché, toi. C'est pas le genre d'univers. J'ai pas de grandes émotions pour les mafieux, pour les braves mafieux. Ah, mais ça donne lieu à des belles séries. Quand même. Oui, c'est possible. Oui, mais. Non, puis moi, j'aime bien les trucs qui finissent bien, donc... Pas faux. Voilà. Moi, je suis très midinet. Tu peux. T'arrives à regarder des séries dans lesquelles t'as doublé ou c'est non, mort? Non, je regarde pas. Ouais, pareil. Si, ça arrive qu'il y ait des trucs de New York, une idée spéciale. Ah oui, de temps en temps, oui. Je regarde, mais je sais pas... J'ai essayé de regarder Amour, Gloire et Beauté l'autre jour. Parce que là, ça fait 82 ans qu'elle double ça. Ouais, c'est clair. J'ai jamais réussi. Oui, ma petite dame. 82 ans. Oui, oui. Au moins, ouais. Bah, non. J'ai jamais réussi. Et d'ailleurs... J'ai jamais réussi. Les rares fois où je suis tombé devant son personnage, il n'y était pas. Une fois, j'étais en Finlande. J'ai dit, ah, tiens. Oui, manque de bol, c'était pas en français. Et chaque fois que je suis tombé sur l'autre jour, chez nous, il y avait, ah, j'ai dit, tiens, je vais regarder. Et son personnage n'était pas là à ce moment-là. Donc, je sais pas, ils font exprès de me le cacher. Mais c'est ce qui se passe. Hein. Mais je crois. C'est ce qui se dit. Mais tu sais ce qui se passe. C'est qu'il y a, donc, en régie, ils sont tous là. Bien sûr. Et il y a des caméras chez toi. Il faut que tu les découvres maintenant. Dès que tu vas rentrer. C'est Crack Story, saison 18, avec Alain Dorval. Et là, ils font
il y a Dorval. Et il change. Ah là. Il change l'épisode. Et mais bien sûr, mais bien sûr. Et est-ce que c'était dans ta série, dans New York, où c'était Daniel Beretta qui faisait l'intro? C'est Daniel Beretta. Et l'anecdote, elle est géniale, parce qu'à cette époque de la Sophie, donc, on était, genre, t'avais un studio, c'était la plaine Saint-Denis, et t'étais avec 5-6 plateaux, et généralement, tu passais d'un plateau à l'autre, parce qu'il faisait des cumuls de lignes. Bref, c'était pas un. Ouais. Ceux qui acceptaient. Voilà, et Daniel Beretta, on lui dit, tiens, tu veux pas aller sur le truc avec Maurice, et tu veux faire l'intro, tu fais Man Announcer 1. Et il fait l'intro dans le système judiciaire, et il fait ce truc-là, et le truc a été multi-rediffusé, il a pris une ligne, il a dû prendre 100 balles, et le truc, c'est devenu ultra culte. Ultra culte. Et bah, il était dégoûté, il m'en avait parlé, il me fait, ouais, te rends compte, ce truc-là, c'était l'intro du siècle, et je l'ai fait, mais c'était repiqué à chaque épisode. C'est génial. Où on s'est connus avec Daniel? Non. Chez Mireille. Ah, oh là oui! Au petit théâtre de Mireille? Non, au petit conservatoire, pardon. Hey, je suis pas le mal. Attention, attention. Va dire ça. Déjà, je le connais pas mal. Non, mais Daniel est un superbe chanteur. Ah, clairement. Vraiment, il a chanté Jésus-Christ Superstar. Exactement. Autre, on s'est connus de cette époque-là. À Sam Fisher. Ah ouais. Ils ont tous platiné, les Sam Fisher. Les Splinter Cell, j'imagine. Les quoi? Les Splinter Cell. C'est quoi ça? Les jeux de Splinter Cell. Non, mais je déconne, bien sûr. C'est quoi? C'est les jeux d'infiltration où tu mets la vision nocturne, ça fait. Non, mais je fais le malin, mais je suis pas joué un peu. Oh là là. Mais... Oui, non, mais c'est par rapport à eux. Ça va jusqu'au bout de ma vanne et puis ça ne suit pas. C'est par rapport à eux pour pas que tu sois largué. C'est Germinal. Germinal, c'est la mine. Exactement. C'est ça. Voilà, ouais. Bon, Soprano, nous avons évoqué le sujet, mais en tout cas, nous allons parler une dernière fois avant de passer au quiz de cette émission avec une actrice que tu as aussi beaucoup doublée. J'en ai oublié un. Ah oui, d'accord. Donc, je mets Nick Nolte à la fin. Bon, eh ben, ça va être l'occasion de parler de Heather Locklear, la blonde qui était... Il y avait Pamela Anderson, la team Pamela Anderson, la team Heather Locklear. Ah ouais. C'est bon, t'as tiré un bon numéro, là. C'était parfait. Ouais. On regarde le petit extrait et on en reparle juste après, évidemment. Salut, jeune homme. Je suis Julie. Oh, votre nom et votre air impérial vous viennent de Julius... César. Vous êtes trognon. Vous voulez un stylo bille? Non. Enfin, si ça vous fait plaisir. Oui. Ce n'est pas surprenant, vu le salaire qu'il lui a offert, il aurait eu tort de refuser. Attends une seconde. Billy travaille ici? Dans cette agence? Oui, depuis hier. Et déjà, tout le monde est en admiration devant lui. Il a la publicité dans le sang, Allison. Et ce qui est formidable, c'est que vous allez être ensemble maintenant, 24 heures sur 24. Excuse-moi, tu veux bien? Bien sûr. Tu l'as eu, ta promenade. Et toi, on sait ce que t'as eu. Oh, je t'en prie, Freddy. Je n'ai rien fait d'autre que de lire mon livre. Et qu'est-ce qu'a fait Artie? Il a tourné les pages, peut-être. Hé, hey, Freddy, n'essaie pas de me mettre ça sur le dos. En tout cas, Patty et moi, nous nous sommes amusés en toute innocence. Tout ce que je voulais, c'était voir Acapulco. Tout ce que je voulais, c'était de me détendre. Moi, ce que je voulais, c'était rendre service. Ce que je voulais, c'était lire mon livre. Est-ce que c'était toi dans La Croix Arsène? Ça me paraît un peu vieux pour que ce soit... C'était les débuts, en tout cas, mais... Je sais pas. Je crois pas non plus. Hein. Je sais pas. On ne saura jamais. Le mystère restera entier. En tout cas, belle carrière avec elle aussi. Ça match super bien. Et c'est vrai que... Mais je suis pas tombée dans l'alcoolisme comme elle. Ah, parce que... Je crois qu'après, oui, elle a dépression... C'est 64. Je sais pas, c'est... Je sais pas si elle a la 16, Heather. C'était pas la 8-6? Ah, la 8-6. On commençait sur la bavaroise quand même, on était quoi? Dans son sac en plastique. Eh oui, mais en tout cas, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'il y avait la team. Ah oui. Ah bah oui. Je préférais Pamela Anderson. Mais Melrose, c'était sympa, l'ambiance était. Ouais. Là, j'ai reconnu Virginie Mary, que j'adore. Ouais. Oui. Ah, qui me donne la réplique. Non. C'est Virginie qu'on entendait là? Ouais, là, c'était Virginie Mary. Oh la vache. Elle était dans Cliffhanger. Ouais. Et j'adore Virginie. Ouais. Moi, j'aime beaucoup. Il dirige beaucoup maintenant. C'est une très bonne comédienne. Qu'elle, oui. Elle était détestée, hein. Pas la Heather, là. Ah oui, oui. Ah, bah oui. Ah oui. C'est vrai que dans Hooker, ça, c'était pas toi, parce que Jules Graff nous en parle. Dans Hooker. Non. Non, c'était ça. Jules Graff, tout à l'heure, qui a fait un impair sur un truc, là, maintenant. C'est ça, c'est plus Ridley Scorsese qu'on va virer. Ah maintenant, c'est Jules Graff. Mais non, dans Hooker, non. Pas du tout. Mais ouais, c'est vrai que c'était... Elle était sexe, elle était détestée, elle était utilisée par tout le monde. Par tout le monde. Ah oui. Tout à fait. C'était des vacheries.
Bon, nous allons maintenant... Je connais pas tout ça. Ah, mais ça se finissait bien, ça, pour toi. Oui, l'air... Ouais. Non, mais on n'est pas très télé. C'est vrai ? Non. Bon. Non. C'est notre adolescence. Oui, bah tant pis pour vous. Mais... Non, mais... Non, non, j'ai d'autres centres d'intérêt. Oui. Vraiment. Mais il n'y a pas de souci. Fait... Non, non, ben, c'est pas un souci. Pour non, non, ben non. De préférer Molière ouais. à Melrose Place, tu vois. Molière. Généralement, c'est pas les trucs qui s'entendent le mieux. C'est qui, Molière ? C'est aucun problème. Hein. Bon, sans transition aucune, nous allons passer maintenant au quiz qu'on va faire. Qu'on va vous passer des extraits de choses que vous avez doublées. Évidemment, vous ne vous rappellerez pas. Évidemment, on rigolera. Évidemment, on vous taquinera. Le premier extrait, ça te concerne. Tu vas pousser la chance dans ce quiz. Tu vas beaucoup pousser la chansonnette, Alain. Et celui-là, peut-être que tu l'auras. Il n'y en a pas tellement où je l'ai fait. Donc. Bon, tu devras le reconnaître assez facilement. Tricheur, menteur, c'est tout moi. C'est ma vie, c'est ma loi. Je suis un gros vilain. C'est pour Disney. Oui. Oh, bah, tu l'as. C'est Pat. Mais je sais plus le... Les Trois Mousquetaires, tout à fait. Oui, Les Trois Mousquetaires. Puis il y en a un autre aussi, où là, j'étais pas la voix de Patibulaire. Ah bon ? Non, non, qui était... pas Alibaba, mais... Machin et les 40 voleurs. Aladdin ? Aladdin et les 40 voleurs. Et on nous en a parlé sur le chat tout à l'heure. Et j'étais la voix, évidemment, du chef des voleurs. Évidemment. C'était ça. Moi, Aladdin. C'est tout toi, ça. Pour pas déconner, quand même. On te donne souvent les rôles de méchants Non, enfin, pas spécialement. Ah, c'est trop bien. Bon, ne le passons pas trop, je sens le strike arriver pour la rediffusion YouTube. Alors, l'ennemi de cette émission, c'est le strike. Après, on finit. Alors, ça, c'est extrait. Ça passe pas. Alors, on met un filtre et tout. Bon, bref, c'est pour ça qu'il faut le voir en direct. Le prochain extrait te concerne, mon cher Jean-Baptiste. Est-ce que tu vas l'avoir ? Ce serait étonnant. Que je l'ai. Plus d'ambition. Je veux que tu aies une meilleure vie que moi. Si tu finis comme moi, je prendrai ça comme un échec personnel. Alors bats-toi deux fois plus que les autres. Non, tu l'auras jamais. C'était Salouk que tu faisais. C'était quoi ? Salouk, apparemment. Salouk, c'est-à-dire ? Bah, le personnage que tu faisais. Dans quoi ? Dans le code d'Aladin, ouais, apparemment. Ah oui, le roi des voleurs. Ouais. Ah, je me souvenais pas de son nom, oui. Et le chat, c'est toujours tout. C'est pour ça que c'est mon meilleur ami. Oh. Bon, tu l'as pas trouvé, toi ? Si, j'ai trouvé. Ouais, mais parce que t'as regardé le chat. Même si je me suis concentré, évidemment. Ouais, alors c'est quoi ? C'est Falcon. Bien sûr, et ben, si tu peux humilier notre ami sur le plateau en passant un extrait pour lui montrer... Tu sais comment ça fonctionne ? Quand les gosses de riches dérapent, ça les empêche pas de faire des études et de progresser dans leur petit milieu. Ensuite, ils feront d'autres gosses de riches qui eux aussi auront droit. Je sais pas si on entend le JJ. Ouais, faut que je sois à la hauteur. Ou pas ? J'en profite pour le dire ou pas ? J'ai compris. Ah, ce que je t'ai dit tout à l'heure. Oui, ouais, j'en profite pour le dire. Bah oui. Mais vas-y, les micros ne sont pas coupés, vas-y. Ah ouais. Qu'est-ce que. Alors, ouais. Faut que t'aies plus d'ambition, je veux que t'aies une meilleure vie. Vas-y, tu peux couper, t'inquiète pas. J'en profite justement en voyant cet extrait. Et déjà, pour m'excuser auprès des fans auxquels je ne réponds pas. Toujours. Tu réponds pas à tous les DM sur Insta. Non, j'en suis fort désolé. Il y a surtout une chose que je profite de cet extrait pour dire une bonne fois pour toutes, je ne fais pas la voix de, comme on a pu l'entendre, de JJ dans Outer Banks. Voilà. Voilà. C'est ça. Ouais, c'était ouais, c'est JJ. Non, JJ, c'était le blond. Je ne sais. Comment il s'appelait le tien Il s'appelle Michel, quelque chose. Bon, bref, en tout cas, ça m'a fait rire. Parce que tu me dis, c'est toi qui le doublais. Je fais non, moi je fais John. Et il se trouve que par erreur, Internet peut faire des erreurs. Je suis crédité pour JJ. D'où. C'est comme un rebelle, je me dis que c'est ton premier doublage sur Stallone, ce qui est totalement. Ah oui, mais ça, moi je sais pas ce qu'on écrit sur Internet. Ils disent n'importe quoi. C'est Ridley Scorsese qui écrit des trucs comme ça, je le sais. Passez le mot. Ça se sait, ça se sait. Le prochain extrait pour toi, Dominique, ce serait bien que tu l'aies. Ah. En fait, je lui ai demandé de partir. Et je lui ai dit que je voulais toujours être ta femme. J'ai dit au révérend de commencer la cérémonie. Ah bon, ah oui, voilà.
C'est ça. Oui, mais là, elle se marie, c'est ça. Vous semblez être en bon terme. Eh oui. Ah. Je crois, oui. Ça, tu vas enfin l'entendre. Mais non. Pour nous deux. Oui. Faut l'enlever. Anna est là. Eh oui. À digérer le fait que Ridge ait interrompu le mariage. Et moi aussi. Je ne l'ai jamais invité à venir, Bill. En fait, je lui ai demandé de partir. Et je lui ai dit que je voulais toujours être On va acheter les Blu-ray à Alain. Ah ouais. Pour que tu fasses précédemment dans Amour, gloire et beauté. Le problème, c'est qu'elle en a épousé 15. Mais oui. Si elle pouvait, elle épouserait le Saint-Esprit. Donc. Ah ouais, c'est. Ah mais c'est triste. T'as l'impression hein, qu'elle a fait des enfants à son mari, enfin son oui. ex-mari, on sait plus quoi. Non, mais c'est ce qui se dit. C'est, ce c'est pas une femme, c'est. C'est, tiens, j'allais dire une dynastie, elle toute seule. Ouais, en tout cas, beaucoup, beaucoup d'épisodes. Comme je voulais en parler tout à l'heure, quand on parlait des Sopranos, de toutes les séries, où c'est vraiment sur les Melrose Place. C'est comme une famille, tu te retrouves toujours ensemble et ouais, ça crée des liens. Mais là, c'est particulier Amour, gloire et beauté, parce que c'est la série, effectivement, que je fais depuis plus longtemps possible. Et en même temps, c'est une famille. Et puis, au fil des années, certains nous quittent. Et c'est assez pour bien sûr. Parfois, c'est vraiment douloureux. Deux fois par semaine, où on enregistre, là, c'est fait des liens forts. Et voilà, donc... Bah ouais. Et ceux qui les remplacent sont pas du tout... Non. C'est plus le même esprit du tout, maintenant. Non, c'est voilà, je veux dire, c'est... Ah, c'est pas possible. C'est malheureusement impossible à recréer. Le prochain extrait, on en parle. Décidément, tu es un chanteur. Tu vas repartir d'ici. Tu vas envoyer ton single chez Energy. Moi, j'adore ça. Ah, il adore chanter. Ah oui. Bon, bah alors, on va écouter cet extrait. C'est assez récent. Tu devras l'avoir. Bon, en même temps, faut les comprendre, les mots. C'est vrai qu'à côté d'un chaton, d'un bébé licorne, bon, ben, je sais, je fous la truche et je peux pas lutter. Tu l'as ? Ouais, c'est avec Guillaume Aldebert. Tout à fait. Et j'ai trouvé ça en préparant l'émission, je me suis dit, c'est un génial. Super extrait. Alors, j'ai été touché à l'extrême, qu'il m'appelle, qu'il m'écrive un bout de chanson. On n'a pas vu ça. Ah bon bah, c'est sur YouTube. Mais on va pas sur YouTube. Je connaissais, j'avais une idée de l'univers. Bon, je trouvais ça Il est adorable. Ouais. Adorable. C'est ce que j'ai vu dans tout le reportage. C'est un type magnifique. Hein. Ouais. Faut pas que je sois complètement à côté. Tu vois, c'est-à-dire que le haut, ça dépend des fois. Et le disque est formidable. C'est celui sur lequel Dorothée a travaillé. Mortel Adal, c'est de lui aussi. Oui, je sais pas, c'est pas celui-là. Mais c'est formidable. Ah ouais. En tout cas, et toute l'équipe, quand le patron est bien, les gens sont pas mal, quoi. Ouais. Toute l'équipe, ils sont pros, adorables. Vraiment, enfin, ça a été un bonheur d'être avec eux. Mais c'est un très beau cadeau de Noël, là, pour les enfants, celui-là. Ouais. Ouais. Ah non, c'est vraiment des jolies chansons et tout. Ah ouais, non, mais attends, t'as Souchon, pas vu le générique Pas encore, il y a que ça. Non, mais il y a Souchon, père et fils. Ah ouais, tranquille. Il y a Thomas Dutronc, que j'adore, enfin... Il y a Calogero. Calogero, qui a une très belle chanson. Il y a du monde, hein. Ah ouais, il y a des duos qu'a fait Guillaume. Ça s'appelle donc le... Aldebert. Non, c'est le créateur, ça. C'est le monstre, je crois. Ça c'est le monstre, mais c'est Aldebert et c'est le disque, et c'est le quatrième ou troisième, là celui qui vient de sortir. D'accord. Enfantillage. Mais c'est le numéro 3 ou 4, je crois. Et c'est très très chouette. Hein. Et moi, quand on s'est... Enfin, il m'a appelé, etc., je connaissais son nom, mais je ne savais pas ce qu'il faisait, quoi, vraiment. Ouais. Je pensais que c'était des spectacles pour enfants, mais bon, et j'ai regardé sur Internet. Ah, ouais, c'est beau. Ah la vache. Ouais. Ah non, mais c'est formidable ce qu'il fait. C'est superbe. Puis je lui ai dit, de toute façon, tu fais le plus beau métier au monde. Tu fais rire les enfants. C'est ça. Ah oui, c'est clair. Tu as tout bien raison. Non, mais l'album est... C'est même, un bonheur. Hein. Le coffret. Ah, le coffret, tout est très, très, très joli, vraiment. Ouais. Bah, s'il regarde cette émission, il sera très fier de voir comment tu portes son Il le sait, je pense. Mais c'est bien de lui redire, bravo. Prochain extrait, j'y arrive pas, le nom de cette série, j'ai l'impression d'être à Bricorama ou à Leroy. C'est pour lui. Ah. Fais péter, j'ai donné beaucoup d'indices. Hein. Voilà. Saint-Louis doit me rappeler au sujet du dossier militaire de Meadows. Je vais en profiter pour contrôler tous ces noms. Certains vivent peut-être dans le coin. Bon. Bon, là, hein. Tu l'as ? Bah... C'est qui ? Saint-Louis doit me rappeler au sujet du dossier militaire de Meadows. C'est Harry Black et Decker.
Ah, Harry Bosch. Voilà. Harry Bosch. J'arrive pas à ce mon édition, j'ai l'impression que je suis à Laura Merlin. Quoi. Ah oui. Alors, je vous avais la carte aujourd'hui, mon 10%, monsieur Renew. Non, c'est... Harry Bosch. C'est sur Amazon ? C'est sur Amazon, ouais. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Avec notre ami Ford. Tout à fait, oui, qu'on en a. Ouais. Capitaine Trevor Dobbs. Le chef de l'unité de Meadows. Jean-Louis Fort, qu'on a reçu la spéciale Malcolm. Solution globale, une société de conseil de la sécurité à Encino. Et si on allait parler à Monsieur Dobbs? Non, là, je peux pas. Saint-Louis doit me rappeler au sujet du dossier militaire de Meadows. Je vais en profiter pour contrôler tous ces noms. Certains vivent peut-être dans le coin. Ok, alors bon courage. Je te dirai comment ça s'est passé. J'aime ce qu'il fait, ce Jean-Louis. Oui. Beaucoup moins toi. Je sais. Mais moi-même, Jean-Louis, beaucoup moi-même, plus. Moi-même, je ne m'aime pas. Enfin bref. Oui. Tu sais bien. Oui, oui, oui. Oui. Ah, voilà. Non, mais bah, joli taf, en tout cas. Tu l'as retrouvé assez facilement. Oui, Black & Decker, je fais des vannes comme je veux. C'est mon émission, je fais des vannes pourries. Très drôle, Black & Decker. T'as vu ? Mais moi, je valide totalement Black & Decker. Ça me fait très plaisir. Non, vraiment, je suis touché. Attends. Le dernier extrait. Alors là, on en a parlé des séries cultes des années 80, mais alors celle-là. C'est fait partie du top niveau, c'est pour toi, Dominique. Ah, non. Essayons de la retrouver. Je t'ai appelé pour en parler, bon, peut-être que tu vas le retrouver facilement. On va voir. Los Angeles est une ville énorme, vous ne pouvez pas être un peu plus précis ? J'en sais rien. Magnifique. Compliqué, hein ? Los Angeles est une ville énorme, vous ne pouvez pas être un peu plus précis ? Non, c'est toujours pas Hooker, arrêtez avec Hooker, les gars, arrêtez de nous mettre dans la sauce. C'est pas Dynasty ? Non, c'est Dallas. Cas, ouais, Fon Xavier l'avait trouvé avant toi, bravo ! Oh là là. Oui, Dallas, sur... C'est moi, ça ? Ouais. C'est ma voix ? Oui. On va la regarder, l'extrait, vas-y. Qu'est-ce que vous voulez ? Oh, Cliff ! Oh, je vous ai vu assez large. Ça te parle, ça ? Bah oui ! Je suis venu vous parler. Je pense que ça pourrait nous servir de rester de bons amis. Ça pourrait vous servir à vous. C'est pas possible. Vous en réalité, rien. À moins que vous ne sachiez où est Jimmy. Ah oui, vous voyez bien, c'est bien ce que je disais. Vous demandez toujours quelque chose. Mais c'est elle qui avait 5% des pétroles Ewing. Et je les voudrais. Ah. C'est pas moi, ça. C'est pas toi ? Vous les voyez, hein. Scorsese, tu quittes ce plateau. Non, t'es sûr ? Parce que j'ai l'impression de reconnaître ton timbre. Ah ouais, moi j'ai l'impression de reconnaître. Moi je reconnais ton timbre. Ah oui, toi, hein. Où habite Jimmy ? Ici, hein. Ah, moi je reconnais ta voix. Moi je reconnais ton timbre. Ah oui. Là, je pense qu'on peut garder Rick Scorsese sur le plateau. Vous le savez, Cliff, Los Angeles est une ville énorme. Bon, on va pas le passer 20 fois, mais... Je pense que c'est toi. Rick Scorsese est passé au bord de la correctionnelle. Non, je crois que c'est toi. Je sais pas. Si, je pense. En tout cas, il y a prescription. Dallas. Oui, il y a prescription. T'as eu du bol, toi. Et derrière la caméra, là, c'est bien... Que poupée, que dire. Bon, bref. Attention. Bon garçon. Ouais, bah, non, mais il est viré à chaque émission. Te laisse pas faire. Ouais. Il se mangera, il dit. Bon, nous en avons terminé avec le quiz. Il nous reste quelques extraits à passer. On a gardé une belle pépite pour la fin, mon cher Jean-Baptiste. Évidemment, tu fais partie de ces acteurs du cercle très, très limité qui fait partie du Marvel, du MCU en activité. Hein, ce n'est pas mon cas. N'hésites-tu pas à arrêter de rigoler, s'il te plaît ? Non, je n'ai pas rigolé. Non, si, je c'est pour une blague que tu m'avais racontée en début d'émission. Oui, bien et sûr. Et je viens de la comprendre. Oui, non, parce qu'avec au moins 5-6 films, une série à son effigie, Sam Wilson, Le Faucon. Sam Wilson, Le Faucon. Je ne l'ai pas vu, mais on regarde un... On a pris le moment le plus épique de tous les... Oui. C'est ça, très bien choisi. Climax. Voilà. Il y avait beaucoup de tension même, là-dessus. Voilà. En tout cas, gros kiff. T'aimes bien les films de super-héros, des trucs comme ça ? T'étais flatté de dire « Ah, putain, trop bien !» Ah oui. Ah non, j'étais flatté. Parce que, pour mes enfants... Oui. Tu vois, je trouve que... La classe. Ouais, quand Papa, même. Papa, je porte ton déguisement ! Oui, je peux pas. Mais bon, il a quand même un pouvoir... la première fois que tu vas faire ce super-héros, tu dis « Ah !» Parce que c'est toute notre, c'est aussi notre enfance, les super-héros, quand même. Oui. Là, nous. Ah oui. Baby, notre adolescence. Oui. Bien sûr. Tu sais, à ce moment où tu allais en boîte de nuit, nous, on était là. Papa, on peut regarder la télé. Ah ouais, bah évidemment. Non, mais c'est super. Ça fait vraiment... Et les gens, ils te vocalement, ça vous arrive qu'on reconnaisse quand vous parlez quel est le rôle dont on vous parle le plus souvent ? Faucon m'en parle, Creed. Ah ouais ? Ouais. Et en fait, c'est marrant parce que
Alors, chacun pourra raconter, mais la première fois que quelqu'un reconnaît ta voix, c'est un peu... je trouve ça assez... assez touchant, en fait, de se dire... que t'es là dans un restaurant et que quelqu'un te dit « s'arrête ». Tu parlais tout à l'heure du rapport au doublage quand on était enfant, mais c'est vrai que nous, quand on était enfant, le doublage restait quelque chose... ça n'avait pas de nom, en fait. On regardait des films en français. Pour nous, l'acteur qui parlait, c'était sa voix. Donc, on n'avait pas cette notion-là. Et aujourd'hui, c'est différent. Et donc, quand quelqu'un te dit « Ah, mais t'es la voix de... » Et puis, c'est assez touchant. Et dans ceux qui sont touchants, il y a Amako qui dit « Si tu pouvais transmettre mes mots d'amour à Jean-Baptiste que j'entends dans beaucoup de jeux vidéo et que j'ai adoré en tant que... » Et là, c'est l'écran qui a coupé, donc je sais pas. Mais en tout cas, c'est transmis. Mais moi, je trouve ça... Enfin, je me répète, mais je suis assez touché. Quand les gens connaissent ta voix ou qu'ils te... il te remercie parce que tel rôle, tel film leur a apporté beaucoup. Moi, ça me rappelle mon enfance quand je regardais des films en VF et qu'on les regardait à travers les voix françaises. On ne pouvait pas switcher en VO, quoi, comparer. C'était la voix de l'acteur. Clairement. Et quand les gens, même si on n'est pas la voix de ces acteurs, leur jeu en américain est totalement... On essaye de se rapprocher de ce qu'ils font en américain. Ouais. Quand les fans arrivent à se projeter dedans, c'est assez touchant. C'est clair. Je les en remercie, en fait. Moi, ça fait plaisir, c'est vrai. C'est tout, très, très vrai, tout ça. Nous passons à un extrait d'une compile, Nick Nolte, bien évidemment, qui a beaucoup doublé aussi... on va passer le sacré personnage et tu l'incarnes tellement bien. On va voir ça et puis on en reparle juste après. Pendant ce temps-là, moi je vais piquer un petit somme. Toi, t'es la reine des peaux de vache. Tu savais depuis le début où était le fric qu'il y avait qu'à attendre ici, peinard. Quand je pense que j'ai failli me faire flinguer deux fois pour des prunes. Bah ça, mon petit flic, c'est l'envers de la médaille. Qu'est-ce que vous foutez ici? Monsieur Jurel. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ici c'est les toilettes des hommes. Je sais, et alors? Et alors? Je me suis toujours demandé de quoi ça avait l'air. Rien d'affolant. Je pisse, vous permettez? Non, franchement, les gens traitent mieux leurs chiens que les humains. Alors, un tiers de nom d'un chien, un tiers de super toutou au foie. Ajoutez un peu de canicro pour la consistance, faut du croquant. J'étais votre avocat, je vous ai défendu, non? Alors, au lieu de vous en prendre à moi, allez protester chez le juge. Protester? Oui, prenez-vous-en à lui. Lui, je comprendrai. J'ai placé mon histoire entre tes mains mollasses d'anglish. Et crois pas une seconde que tu vas me laisser un plan. Tu penses que je pissais dans un violon pendant le briefing de famille? Pour mettre ta bande de couilles molles dans la crasse. Toi et Tommy, vous vous entraînez comme si de rien n'était. Oh. C'est incroyable. Maintenant, je sais ce que tu fais là. Comment ça? Tu prends ton pied? Mais non, je suis pas venu prendre mon pied, je suis venu récupérer mon fils. Ah, c'est ça que tu veux? Super, oui. Tu l'as récupéré? Non, je parle de toi, moi. T'as récupéré Tommy. Bah voilà. Non. Joli parcours aussi. Le plus beau, c'était l'adieu au roi. Ouais. Ça, c'est un film absolument magnifique. Ouais, parce que c'était un bouquin célèbre, réputé impossible à monter au Cinoche. Et ça a été fait, ça n'a pas eu un succès énorme d'ailleurs. Et ouais, il était très chouette. Enfin, moi j'aime beaucoup ce comédien. C'est un personnage tout à fait étonnant. Enfin, alors là, c'est amusant parce que le clochard de Beverly Hills, en fait, c'est un remake. Ah ouais? Un remake d'un chef-d'œuvre de Renoir qui s'appelait Boudu sauvé des eaux. Ah, c'était un remake avec de ça. Michel Simon. Mais ça se passe pas au bord de la Seine. Oui, évidemment. Ça se passe à Beverly Hills. Dans des piscines au bord. Ouais, c'est ça. Au bord du Pacifique. J'avais adoré ce film-là. De toute façon, ces films-là, c'était les meilleurs. Regardez quand même si vous avez l'occasion. Drôle, avec Michel Simon. Ah oui. Ah ouais. Boudu sauvé des eaux, c'est. Non, mais là, on est. C'est chef-d'œuvre à tous les étages, là, quand même. Ouais. Moi, j'ai une passion pour Michel Simon, donc. T'as tellement raison. Ouais. Et pour un autre comédien aussi dont on parle
pratiquement jamais et qui pour moi est gigantesque, c'était Harry Bore. Et oui. Alors, plus je l'ai, on l'a vu passer sur le surtout. Je me dis, est-ce que ça va parler à tout le monde? Et du coup, bien de le souligner, effectivement. Je crois que c'est quand même le plus beau Jean Valjean qu'il y ait eu. Ouais. Ouais. Il y a 4 ou 5 DVD. Ma fille nous a offert ça. Tu le regardes, c'est enfin, quand t'es amoureux de Victor Hugo comme je le suis, c'est à tomber. C'est vrai qu'il est et le mec est capable à la fois de jouer Jean Valjean comme il l'a fait. Et de jouer Volpone, pratiquement en folle tordue, avec Jouvet, qui est à côté, qui joue Mosca. Volpone, c'est un délice, quoi. C'est ahurissant, faut voir ça. Il y a une distribution, il y a Jouvet, il y avait Ledoux, il y a... Enfin, c'est... Dulin, aussi, enfin, bon... Volpone, c'est un chef-d'œuvre. Voilà, maintenant, vous savez quoi regarder ce soir, si vous allez le trouver. Oui, il faut le trouver. Ah, il faut le trouver. Je sais pas. C'est pas évident. Je sais que Les Misérables, en tout cas, on le trouve. Alors, dans Les Misérables, il y a un moment tout à fait étonnant, c'est quand Jean Valjean est devenu Monsieur Madeleine, c'est-à-dire un homme respectable qui a une usine, etc., à Boulogne-sur-Mer, je crois, et qu'on lui apprend qu'il y a un mec qui s'est fait arrêter en tant que Jean Valjean. Eh oui. Et il va aller au tribunal, évidemment, pour dire non, c'est pas lui, c'est moi. Ah ouais. Et évidemment, il joue les deux rôles. Ah, ça doit être bon, ça. Masterclass, comme on dit. Bah oui, le personnage est un ce qu'on appelle un cheminot à l'époque, enfin, un SDF d'aujourd'hui, qui s'appelle Champmathieu. Et là, c'est pas un numéro d'acteur, c'est un comédien exceptionnel, quoi. Et quand tu confrontes les deux rôles. Je sais pas, ce qui manque à beaucoup, il y a une humanité qui est phénoménale, quoi. Enfin, Jean Valjean, c'est pour moi un des sommets. C'est un des sommets, et c'est d'ailleurs la transition est toute trouvée pour continuer à vous parler de Fast and Furious. C'est Transition Man. Jean-Michel Transition. Jean-Michel Transition. Non, mais Jean Valjean, Fast and Furious, il a adoré Tokyo Drift. Il faut le savoir. Rien à envier au plus grand patron. Sur la Supra, il y a marqué I love Jean Valjean. Évidemment. C'est bien sûr. Jean Valjean, Fast and Furious. Mais quelque part, mais il s'échappe. Non, mais c'est ça, quelque part, s'échappe. Je te cache pas que je savais pas comment j'allais passer de Jean Valjean ça. Je me dis, tiens, on va mais y aller dedans. C'est pas mal. Moi, j'ai trouvé ça vachement. Tu vois, Rocky, il aurait dit, vas-y. Et je me suis dit, tiens, on va faire un truc, on va y aller franco. Ouais. Voilà. Fast and Furious, Ludacris. Alors, c'est le moment strike. Alors, si vous le regardez en replay, sachez que vous aurez un filtre. Parce que, alors là, on a essayé dans tous les sens. Ouh là 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 là. Ça ne passe pas. Donc, passons l'extrait dans l'écran. Aïe. Et puis, comme pour ceux le qui truc qu'on regarde en direct, quoi. Fait, ouais, c'est, ça, c'est en direct, stream. En replay, c'est fini. C'est ça, exactement. Vas-y, fais péter le strike. Si t'as envie de pleurer, laisse-toi aller, pleure. En tant qu'ami, tu sais à quel point je me soucie de ton bien-être. C'est pourquoi j'ai pris la précaution de glisser un paquet de bouche dans ta boîte à gants. Oh, tu peux me lâcher, s'il te plaît? Eh oui, Ludacris, tu l'as fait dans beaucoup de Fast and Furious, ouais. C'est ta cam. Je sais que tu adores les voitures tuning, c'est ta passion, c'est les néons, le drift, la gomme brûlée. Alors, on sait c'est... que du coup, tu tournes aussi à Carole. Tu as claqué une fois un 1.05 en G6R 1000. Alors, je vais te dire, c'est très simple. Moi, un objet, je le tuning. Oui, ah bah tu le tunes. Je ne peux pas faire autrement. Tu le tunes, cette bouteille. Que... Ouais. Tu vois, je vais la tuner. Hein. C'est ce qui se dit, hein. Ouais. Je ne sais pas si on dit tuner, on dit tuner, on dit tuner, le verbe tuner. Ouais. Je tune, tu tunes, il tune. Nous tunons, vous tunez, il tune. Voilà, exactement. Why not? Bon, en tout cas, le super rôle, Ludacris. Tu t'amuses. C'est franchement, avec le choix de Dwayne Johnson, c'est du cinéma popcorn, tu t'amuses. Ouais, tu t'amuses. Taf, mais t'en prends plein les yeux, quand même. Ouais. Tu dis à chaque fois, mais ils vont... Jusqu'où ils vont aller? C'est assez hallucinant. Jusqu'à ce que ça rapporte plus. Oui, c'est ça. Mais bon. Jusque-là. Mais c'est les prouesses qu'ils font dedans, c'est assez... je suis bluffé. C'est vrai qu'ils disent le bolidage au Québec, il fait bien de nous le dire, Voxovor. Le bolidage. Ouais. Ah, ben voilà, ouais. Je le disais bien. Le Dominique, je ne te demande pas si tu regardes les Fast and Furious. Je ne connais pas. C'est pas grave. Ça parle de bolidage. Mais en fait, c'est sur une sur internet. Les voitures. Alors, non. Fast and Furious, en fait, c'est le préquel à Jean Valjean. Hein? D'accord.
Le blanc. Le blanc. Ah, je te jure. Vous avez parlé du Falcon, du MCU. Bah oui, SN. Ah oui. T'es parti faire pipi. T'es parti chercher un. Ah, il est parti chercher son Uber Eats. Parce que c'est bientôt l'heure de Koh-Lanta, vous inquiétez pas, vous verrez le début, hein, vous inquiétez pas. Oui, on a parlé de Falcon, il faudra voir le replay sur YouTube. Ouais. Mais bon, en tout cas, tu as multiplié les rôles à succès. Franchement, ça fait pas si longtemps, ça fait pas 20 ans que tu fais du doublage, mais t'es arrivé, t'as fait bim bim, je suis là, clac 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 clac, t'es maintenant partout, t'es un Wikipédia, tu scrolles pendant 20 ans. Oui, oui, oui. Bah, oui, je sais pas, c'est le... Bah, c'est, la... c'est le talent, c'est moi qui le dis. Alors... C'est moi qui le dis. Voilà, c'est moi qui le dis. On peut s'arrêter. Laisse, je te laisse. Non, franchement, c'est toujours cool hein, quand on arrive à bosser ensemble. Et on ne bosse pas assez ensemble. Non, non. Mais on se marre bien. Oui, mais dans les studios, dans les salles d'attente. Au dépend de... Au dépend des DA. Mais bon. Ouais, c'est comme ça. Non, mais moi, enfin, je sais pas. C'est oui. Lou, quand même. Oui, bah, c'est un petit Elle peu voit. De... Elle voit. Mais parce que fun. Si tu fais la gueule en faisant... Si tu fais la gueule quand t'en fais pas, c'est ça. Quand est-ce que t'es heureux, mon copain ? Ah bah évidemment. Ah, mais tu prêches un peu. Oui, mais maintenant, enfin là, depuis deux ans, on se voit pas beaucoup. Non. Donc. Mais ça n'empêche qu'on est heureux quand même quand on y va. Ouais, mais je vais te dire, il y a une époque où, même en pub, moi je me souviens de marades pas possibles, quoi. Et on bossait, hein. En pub, oui, bien sûr. On se marrait. Et après, il est arrivé des gens sérieux qui ont fait des choses... Avec des MacBooks. Qui ont fait des choses sérieuses. Ouais. Je me souviens de petits connards venant d'agences qui disaient, tu sais, moi, je fais pas de la pub. Alors, quand il y en a un qui me disait ça, je lui répondais invariablement, moi et moi non plus, je fais de la réclame. Parce que faut pas avoir... Quand tu fais de la pub, t'es là pour en vendre. C'est ça. Alors, bah, pas là pour autre chose. Oui. Hein, tu peux déconner. Faut l'assumer, c'est tout. Oui. Ou alors, on fait pas. C'est ça. On n'a jamais été battu pour faire ce qu'on fait. Ah non. Donc, c'est qu'on l'aime et qu'on l'assume. Et voilà, c'est tout. Et quelque chose aussi, c'est... Alors là, pour le coup, Jean-Michel Transition fait bien les choses. Voilà. La pub, la radio, la voix antenne, Skyrock. Maintenant, c'est Emmanuel Garrido, mais tu l'as fait pendant longtemps. On a des extraits. Ils sont collector, ces jingles. Pardon, j'adore. Mais tu viens de faire une vraie transition et ça... Ça se garde ça en tête. Ça n'a pas de prime. Surtout sur énergie. Vous vous souvenez du bon vieux temps, quand on se baignait dans les rivières et qu'on prenait le temps de vivre. Retrouvez le goût intact des jours heureux. Airchecks by Radiomania. Maintenant sur Skyrock, une nouvelle heure de priorité à la musique. Priorité à la musique. Quand les mots sont plus forts que les guitares. Skyrock. Ah oui. Ce concert au Parc des Princes a gagné cette semaine en exclusivité sur Skyrock. C'est à l'époque, il n'y avait pas le sous-titre premier sur l'Europe. Non. Non, non. Bah non, c'est le rock. C'est venu après. Bon. On s'est quitté, c'est Pierre Bélanger qui m'a proposé un jour qu'on arrête. On s'est quitté, bons amis, puis voilà quoi. Tu as marqué cette radio. Ah ben, non, mais moi j'ai eu du plaisir à le faire. Et en plus, au départ, c'était Pierre Bélanger qui écrivait les textes. C'était. Alors on se voyait une ou deux fois dans l'année, je le suppliais d'écrire parce qu'après, chaque animateur voulait que je lui fasse des trucs pour lui qu'il faisait énormément rire. Moi aussi. Et puis il y a un moment où t'es là, tu te dis, bon, je vais finir par décliner tous les numéros du hit-parade, éventuellement l'heure, tu vois, donc j'ai plus rien à faire là, quoi. Mmh. C'était pas intéressant. Alors qu'au début, Pierre a écrit des trucs vraiment très très chouettes, déjantés. Alors ce qui est chouette, c'est qu'on a l'aventure s'est continuée à Moscou. Hein ? Ouais. Oh. Parce qu'à la fin, à la fin 89... Je dis, je voyais rarement Pierre, on se croisait, bon, et je le vois, je lui dis, tu vois, là, vu ce qui s'était passé, mur de Berlin, machin, je lui dis, écoute, si je pouvais, si j'avais pas une petite fille à l'époque, elle avait 3 ans, même pas, elle allait les avoir, si j'étais pas avec Dominique, je partirais à Prague, tu vois, parce que pour moi, c'est là-bas que ça doit se passer. Mais il me dit, je viens de monter une radio à Moscou. Alors moi, je lui ai dit, écoute, si tu veux que je fasse coucou, je trouverais ça plutôt sympa, tu vois. Fais un truc à Moscou, une FM à Moscou. Ça n'existait pas. Ah oui. Et ben non. Et je pensais faire « Salut les mecs », tu vois, en français, et puis qui demanderait ça à un Italien, un Espagnol, un Allemand pour faire coucou, quoi. Et il me rappelle une semaine après,
T'es un enfoiré. Je l'aime beaucoup. Et ça il me dit, j'ai Non. Il est mort. Mais non, oui. Parce qu'il était créatif. Il me dit, j'ai retenu ce que tu m'as dit, on va le faire. Je dis, bah, avec plaisir, ouais. En russe. What? Je dis, Pierre, je connais pas un mot de la langue de Pouchkine. Il me dit, c'est pas grave, je sais que tu pourras te... Et effectivement, je l'ai fait. Ah, ouais. Donc, j'ai... Génial. Sur une radio qui s'est appelée M Radio, et je suis même allé enregistrer là-bas, dans la fameuse tour de Stankino, dont on a entendu parler quand il y a eu Yeltsin, les trucs, les machins, enfin... Il y a cette espèce de tour insensée qui, pour moi, ressemble à un minaret, en fait. Et puis c'est là que tu te rends compte que Moscou, c'est aussi la porte de l'Orient. Enfin, c'est vrai, avec le... Et t'as cette tour gigantesque, en fait, où on enregistre dans un immeuble qui est juste au pied. Et c'était complètement dingue. À l'époque, pour rentrer à Moscou, il n'y avait pas de taxi, il n'y avait rien. Tu faisais du stop, pour faire du stop, tu sortais un dollar. Ah ouais, d'accord. Ah bah oui, oui, oui. C'était un dollar. Ouais. Oui, bien sûr. Pas deux, un. Et les mecs s'arrêtaient comme ça. Ah, c'est clair. Le pire que j'ai fait, c'était à Kiev, où je suis allé après, et là, j'ai arrêté un autobus la nuit. Mais non. Parce que j'en avais marre, ça faisait une heure que... Ah, attends, on commence à... Appeler Drago. On commençait à se les dents, c'est pas ma guerre. Je me suis mis en travers, et le mec s'est dit, non, mais là, j'ai dû mettre 5 dollars, là. Voilà. Et le mec, au lieu de rentrer directement, je me souviens d'où on était à peu près, dans Kiev, il a traversé la petite rivière, il nous a emmenés de l'autre côté, et il s'occupait plus du tout de son... Il n'y avait plus personne dans le bus, tu vois, il rentrait. Mmh. Il devait rentrer au dépôt. D'accord. Et on y est allé comme ça. Non, mais enfin, donc... T'as inventé Pékin Express ce jour-là. Non, mais j'ai... Non, mais ouais, non, mais c'était j'irai marrant. Dormir chez vous. Mais... Voilà. Non, mais en fait, ce jour-là, je dînais chez notre correspondant, qui était un mec qui était parfaitement bilingue. C'est-à-dire que j'ai vu un extrait de Fanfan la Tulipe avec lui. Je sais pas comment il faisait, parce que en Russie, c'était pas doublé véritablement. Mmh, ouais. T'avais un mec qui faisait tout. Il faisait tout, ouais. Et c'est un double moi, spécial. Je disais, j'arrivais pas à entendre ni Gérard Philippe, Lolo Brigida, etc. Tu vois. Et mon correspondant connaissait le dialogue français par cœur. Ouais. C'était ahurissant. Et en plus, c'était le jour où l'Ukraine s'est déclarée indépendante. Et ce jour-là, c'était la majorité de leur fils. Ah ouais. Donc, tu vois, le mec qui devient majeur le jour de l'indépendance de son pays, c'est extraordinaire. Ouais, on a vu des trucs... une bonne coïncidence, en tout cas. C'était extraordinaire. Mais donc, j'ai vu des trucs extravagants en Russie, en partout. Je suis allé jusqu'à Sourgout, en Sibérie. Enfin, mais la radio, alors là, je me suis pris un grand coup de mégalo. C'est quand t'es dans l'hôtel Rossia, je crois que ça n'existe plus. C'était un énorme hôtel qui était près du Kremlin. Je m'en souviens parce que de ma fenêtre, une fois, je voyais Saint-Basile. Tu sais, l'église avec toutes ses couleurs sublimes. Bon. Et là, ils m'ont prêté un transistor parce que on ne pouvait pas, à Moscou et nulle part en Union soviétique, capter avec nos transistors nos fréquences. Leur transistor à eux. Tu pouvais pas capter. Non, mais nous, c'est 88-108 à peu près, quoi. Oui. Hein. Et eux, ça s'arrêtait avant 88. Ça devait être, chez nous, ça devait être des bandes militaires ou je sais pas quoi. Et alors, le gars qui dirigeait l'antenne, les émetteurs venaient de Hongrie parce qu'il n'y en avait pas. Et quand la radio a démarré, il m'a filé un appareil et je me suis entendu la nuit. La classe. Ah là, tu t'entends en russe. Ah ouais. Ah bah oui. Je peux te dire que ça m'a... Ah, c'est énorme. Et j'ai réenregistré parce qu'il y a des jeunes qui ont voulu relancer ça. Il y a des mecs qui m'ont fait réenregistrer il y a un an ou deux. Incroyable. Allez, cette anecdote. Ouais. Et ce qui est marrant, par exemple, parce que les trucs que Pierre écrivait, il y avait des choses un peu déjantées. Par exemple, moi et mon chien, on écoute Skyrock. Tu vois, Et tu fais la même chose en russe, et la seule dont je me souviens, c'était « Я и мой пёс, мы слушаем им радио ». Et là, les mecs téléphonaient ou écrivaient en disant « Mais c'est quoi le chien qui écoute la radio ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Parce que les mecs avaient l'habitude de « Говорит радио Москва ». Tu vois, Radio Moscou vous parle. C'était incroyable. Des trucs que vous n'avez pas connus. C'était la radio de mon enfance. Sur la radio nationale française, tu vois. Moi, je préférais mon enfance quand même. Il y avait Rocky.
Mais je ne veux pas dire. Hein. Tout à fait. Moi, j'ai pas eu d'enfance télévisuelle parce que mes parents n'ont pas voulu qu'on ait un téléviseur tant que j'ai pas passé le bac. Ils ont eu de la chance, je l'ai eu très tôt. Ah. Mais tu l'as eu à 4 ans et à 5 ans, t'es rentré en conservatoire. Et après, il a fait Rocky. Un mois avant mes 17 ans. Mais ça, c'est parce qu'on était toute une génération. J'ai mis longtemps à comprendre pourquoi on était très nombreux en classe, des classes de 35 au moins. Parce que maintenant, on pleure quand ils sont 30. On était 35 régulièrement. Mais on était la moitié de la classe avait un an d'avance, quoi. Ouais, forcément. Il y avait beaucoup de monde. C'est normal. Non, parce que si tu compares à la génération d'avant, je suis né en 46, en 45, il y avait ça de gosses, ça de profs. En 46, il y a ça de gosses, ça de profs. Donc, il fallait en prendre de 46 et les foirer. C'est pour ça, je pense. Avec ma mère qui était de 45. On arrive toujours à... je savais, c'est ça, maman, tu ne m'avais pas dit. Hein, bon, en tout cas, les amis, c'est déjà la fin de l'émission. Mais non. Est-ce que tu as une actu que tu voudrais nous partager, mon cher Jean-Baptiste? Ou pas, tu n'es pas obligé. Vous parlez de tes réseaux sociaux pour en faire la publicité. Je suis très actif sur les réseaux sociaux, hein, sur Instagram. D'aucun sait. Non, on était au théâtre là, on sera au théâtre des Abbesses en janvier, du 5 au 22 janvier, avec un spectacle qui s'appelle Une télévision française. Parfait. Qui raconte le parcours d'une rédaction, la rédaction de TF1, sur 10 ans, entre 86, donc avant la privatisation de TF1 et après la privatisation de TF1. Comment. Les incidences que ça a eu sur cette rédaction. Théâtre des Abbesses pendant 15 jours en janvier. 5 au 22 janvier. 5 au 22 janvier, ouais. On retrouve ça pour tes réseaux sociaux, c'est JBM de Scorar Noumont, c'est ça. Ouais. Je m'en rappelle, ouais. C'est quand même la classe. Ouais. Et toi, pour terminer cette émission, on parlait de Molière tout à l'heure, tu as fait une lecture, où ça va ça? J'essaie de préparer l'école des femmes. D'accord, et c'est ce qui est exactement ce que nous disait Sean Ruffier sur le chat tout à l'heure, c'est incroyable. C'est fou. Je ne sais pas qui a pu prendre ça. C'est ce qu'il voulait, oui, tu vois, tu le fais. Ouais. Non, ça va très très vite, hein, Internet. Il y a quelqu'un qui a dû baver, je ne sais pas. Peut-être. Donc pour l'instant, on a fait une lecture. Il devrait, je touche du bois, rond et qui descende, et il devrait y avoir des suites, parce que le but, c'est pas que... Même si la lecture, c'est déjà un plaisir énorme, puis c'est un exercice très très chouette. Mais le but, c'est quand même de réussir à le monter, à le jouer, quoi. Ouais. Donc j'espère que ça nous arrivera l'année prochaine, éventuellement en matinée scolaire ou autre, j'en serais ravi, enfin... Parfait. Ouais. Vivement. Le but, c'est de jouer. Tu nous le diras et puis on en parlera sur les réseaux. Avec plaisir, ouais. Nous ne terminons pas cette émission. Alors, vous voyez, sur le plan large, on a le panneau avec tous les Polaroids. Et ça y est, c'est officiel. Il n'y a plus de place sur le panneau. Il va falloir un deuxième panneau pour coller tous les Polaroids. Et ça va être l'occasion de faire la photo souvenir. Alors, on va se mettre JB. Oui. Mets-toi derrière Alain. Ouais. Et vous ne bougez pas. Et nous, on se met derrière je et on va faire le Polaroid. Tu te mets à gauche. Je me mets derrière Dominique. Ouais, mais toi, là. Je me mets là. Allez. Voilà. Allez. Je me mets derrière. Bah, enfin. Allez, enfin, quand même. C'est la tradition. Allez. Les oranges. Ah oui, les oranges. Fils adoptifs, quand même. Alors, quand même. Bon. Oh la vache, il a un gros. Ah oui, on a un gros Polaroid. On a un très gros Polaroid. Il est magnifique. Bon, c'était une émission que j'avais tellement envie de faire. Je suis ravi. Ça va être aussi l'occasion de. Je t'ai fait pourri en parlant trop. Non, t'es fou. Non, 2h12 d'émission, on est dans le normal. Mais le replay, on est dans le normal. Coupé, hein, t'inquiète pas. Oui, on coupe tout, on coupe tout. En tout cas, je remercie nos gentils communautés et contributeurs avec Antoine Rigaud. Attends, je ne veux pas que je me plante. Ouais, c'est ça. Antoine Rigaud, Audrey Rivoire, Nicolas Tavernier, David Mucci, Brice Hates, Stéphane Arcelier, Nicolas Villain, Nathalie Le Coustumaire, Maya Mellet, pardon, Stéphane Pelliccioli et Emilien Lorjou. Il était venu pour toi, Alain, il est venu pour toi. Mmh. Gaëlor Picon, Xavier Trimolet, le Ghost Sphinx, Laetitia Talek, Laetitia Sanchez et Julien Condour. Merci les potos, comme d'habitude, on vous enverra des cadeaux pour votre participation. Il est là, regardez, il est là, mon Polaroid. C'est magnifique. Je me suis régalé.
C'est l'occasion, avant de se quitter, de remercier Western Digital Black, notre sponsor, qui est dommage, ça aurait été bien, ça affiche, mais non. En tout cas, Mini Dose Prod en taux, bien sûr, Real Scorsese pour les montages, ça va, t'es pas viré, on te garde. Nicolas, le boss Cardel, Arthur Boulanger, hein, qui cette fois n'a pas mieux à faire, merci d'avoir été parmi nous ce soir, voilà, lol, ça rigole en régie. Je remercie tous les subs que je n'ai pas pu voir, parce que ça va, c'était sur le chat, on n'avait pas le, je suis désolé, on n'a pas eu le bug, on a réussi à tout prix, les dons et les subs ne sont pas affichés, j'en suis confus. En tout cas, on vous enverra un mail pour vous remercier. Je sais que j'avais quelque chose à dire. Oui ! Joyeux anniversaire, Richard Darbois ! Gros bisous ! Faites-moi des gros cœurs partout pour le chat, on va lui envoyer la séquence. Richard, on t'aime. Tu es le bienvenu ici quand tu veux, tu le sais très bien. Et voilà, bravo à toi pour tout. Là, je t'ai vu tout à l'heure en émission sur Allociné. Bah, en tout cas, ça fait trop plaisir. Joyeux anniversaire, encore une fois. Bon, c'est le moment de se quitter. Je te remercie, Jean-Baptiste, pour cette présence. On a bien déliré, on a bien rigolé. C'était le but. Oui. Et puis, on a passé une bonne soirée tous ensemble. Merci, Dominique. Merci. C'était bien cool. Alain, la légende, merci. Allez, le chat, là, pour Richard. Magnifique. Ah. Et maintenant, il me reste évidemment à vous remercier, vous, pour votre fidélité. C'est toujours un énorme plaisir de vous présenter cette émission. Franchement, il est trop beau, celui-là, pour une fois. Elle est parfaite, la photo. Elle est très, très bien. Je suis sûr que j'oublie quelque chose. Je ne sais pas quoi. Ce qui est sûr, c'est qu'on se revoit une dernière fois avant la fin de l'année pour un stream VF qui, croyez-moi, vous plaira fortement. Vous allez vous régaler. Mais est-ce qu'on ne vous a pas régalé une seule fois dans ces streams VF ? L'occasion de vous parler du doublage, comme d'habitude, entre nous, de passer un bon moment. Je suis sûr que j'oublie quelque chose. Quoi ? Je ne sais pas. En tout cas, c'est vraiment un grand plaisir. Je pense qu'on est tout bon. Ouais. Merci beaucoup à merci tous. À toi. Et merci pour le chat. Salut à tous, c'était StreamVF. Merci à vous, merci Alain. Merci Jean-Baptiste, merci Dominique. Joyeuse fête. Et merci à vous. Ciao, ciao.